Thank you.
serrez-vous un petit peu. Voilà, je vais passer les étages, ça vous pouvez dire, hein, avec un.
Mesdames et messieurs, Quentin et Quincy, les petits culs, la compagnie, la chose publique. Quentin au trombone à coulisses et Quincy au clavier qui ont mis leur plus belle tenue pour vous ce soir, avec une référence assumée à Véronique et Davina. Vous l'avez la référence ? C'est que vous êtes vieux, hein ? Parce que cet après-midi, il y avait 350 lycéens, il n'y en avait pas un qui l'avait la référence à Gym Tonic, bravo. Pour la douche après. Ah, pendant le générique de fin, voilà. On attend ça avec impatience. Je me demande comment Ludivine et Nicolas traduisent cela, Ludivine Guimet, Nicolas Rigaud, que vous voyez comme tous les ans, alors c'est Nicolas qui signe en premier, qui vont traduire vos bêtises, merci messieurs, en langue des signes. Alors vous le savez, vous allez assister ce soir à la finale régionale de Ma thèse en 180 secondes, la finale Lorraine. Partout en France, ces mêmes finales auront lieu, mais nous démarrons toujours le bal. Et tout le mois de mars, dans chaque regroupement universitaire partout en France, il y aura le même exercice, la même finale pour qualifier les candidats qui iront ensuite à la demi-finale nationale et à la finale, mais ça je vous l'expliquerai juste après. Ma thèse en 180 secondes, c'est certes un exercice de vulgarisation, un exercice de culture scientifique et technique, mais c'est aussi un show. Et qui dit show dit certes spectacle, mais dit public. Et je me demandais, bien que vous soyez dans cette salle pleine comme un œuf très nombreux, c'est pour ça qu'on commence en retard, on a fait rentrer tout le monde un petit peu au chausse-pied, si vous étiez vraiment apte à mettre le feu ce soir, je me le demande. Vous voyez, ce qu'il faudrait pour que le spectacle soit complet, c'est qu'il y ait des banderoles, qu'il y ait des pancartes, enfin qu'on ait préparé des choses. Est-ce qu'il y a ça ? Ce qui serait bien aussi, c'est qu'il y ait des groupes de fans, vous voyez, des gens qui soient prêts à crier, à perdre leur voix pour soutenir leur candidat. Je crois que la preuve est faite, on va avoir un beau spectacle et sur scène et dans la salle aujourd'hui. Bon, on va quand même vérifier quelques petites choses. Vous savez qu'on aime bien que tout fonctionne, donc on vérifie que les micros marchent, que la lumière marche, que voilà, la croix est bien placée, que le chronomètre marche. Alors on a des, comment on peut dire ça, des testeurs. Donc on va les faire monter sur scène, vous les applaudissez, on fait comme si c'était des candidats. Hein. J'adore les embêter tous les ans. Je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Madame la présidente de l'Université de Lorraine, Hélène Boulanger, et madame la déléguée régionale du CNRS Centre-Est, Edwige Elmer Laurent. Une croix pour deux, vous n'êtes pas dans le bon sens, si je puis me permettre. Je crois qu'elles ont répété quelque chose. Voilà. Un petit peu de musique ? On va vous mettre le... vas-y, mets un petit truc pour qu'elle puisse s'exercer. Ça commence très très fort cette année. Après les petits culs. Aïe, 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 aïe. Après les petits culs, les gros cuits, évidemment. Évidemment. Chers toutes et tous, bienvenue dans cet amphithéâtre qui est cher à mon cœur pour différentes raisons. Je suis ravie de vous y accueillir ce soir pour fêter, pour une fête. Pour un moment de bonheur partagé ensemble. Et ce moment de bonheur, il concerne principalement deux sujets. Le premier sujet, c'est le rapport entre science et société, qui est traduit magnifiquement par l'exercice auquel vont se livrer les candidats ce soir.
Le travail de l'université, l'engagement de l'Université de Lorraine et de ses partenaires du site Lorrain, dont les organismes de recherche nationaux et donc le CNRS, c'est de rapprocher science et société. Ça ne veut pas dire présenter la science comme étant l'univers des sachants et la mettre à portée de non-sachants. Ça veut dire faire de la science une question dont chacune et chacun peut s'approprier. Ça veut dire faire savoir, faire partager, faire expérimenter la démarche scientifique de telle manière qu'elle soit accessible à toutes et tous. Chacun et chacune peut se réaliser au travers de la science, aussi loin qu'elle le souhaite, aussi loin qu'elle en vit. Et c'est un petit peu ce que montre la manifestation de ce soir, qui a été présentée auprès de lycéens, qui est partagée, ouverte à un large public, et qui vise en fait à faire partager ces objets de passion, qui sont les objets sur lesquels travaillent les aventuriers de la connaissance, au premier rang desquels nos doctorantes et nos doctorants. Donc un grand merci à vous toutes et tous pour votre présence ce soir pour célébrer ce rapport entre sciences et société, pour le doctorat sur le site Lorrain dans les écoles doctorales de l'Université de Lorraine. Ça se traduit par un label, le label de médiation scientifique Science and You, qui a été lancé fin janvier et qui témoigne de la participation des doctorants à ce rapprochement entre sciences et société. Ce soir, c'est une fête. Vous allez participer effectivement à un spectacle, voir des démonstrations, des exposés. Là, je m'adresse aux candidats et aux candidates aussi, et au public. Il faut que ça reste un bon moment de fête. On est là pour fêter le doctorat, on est là pour fêter la science. Ils y ont passé des heures, ils y ont travaillé des heures, des mois, des semaines. Ils sont là ce soir. Alors, chers candidats, chères candidates, je vous demande surtout de prendre le meilleur plaisir possible à cette expérience-là. Je sais qu'il y a de la pression, c'est tendu, mais on est là avec vous et on vous adore. Merci. Madame la présidente de l'Université de Lorraine, Hélène Boulanger. Madame la déléguée régionale CNRS Centre-Est, Edwige Elmer-Laurent. Bon, je faisais une blague sur les gros QI, mais il y en a plein dans la salle. Hein. Ne vous sentez pas trop seul. Bon, tu fais une thèse sur quoi ? Ah, sur rien. Bah dis donc, ça va aller vite si tu fais une thèse sur rien. Non, allez, dis-moi ton sujet. Les chevaliers paysans au lac de Paladru en l'an 1000. Ah bah, ça intéresse quelqu'un, ça ? Non. Bah pourquoi t'as choisi ce sujet ? Bah pour emmerder les cons. Et puis je vois que ça marche. De toute façon, c'est toujours pareil, les gens ils vous demandent votre sujet, puis après ils ricanent. Bon. J'espère que si vous ne connaissez pas Véronique et Davina, vous connaissez le film « On connaît la chanson ». Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à aller voir cette scène mémorable. Alors moi, je prends mes antisèches parce que j'ai moins de talent qu'Hélène Boulanger. Mais en tout cas, vous avez sûrement déjà vécu cette scène. Redis-nous ton sujet, là, qu'on rigole un peu. Donc ce soir, ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est votre famille, vos amis. Nous, quand on vous demande votre sujet, c'est parce qu'on est un petit peu curieux. Et puis on a envie d'être embarqué. Donc c'est une curiosité bienveillante et il faut vraiment y voir ça derrière cette grande question. Et puis un petit peu d'admiration. Donc cette curiosité admirative, il faut la voir aussi avec empathie. Donc vous allez nous prendre par la main, vous allez nous emmener dans votre enquête. Quelle est la question scientifique à laquelle vous répondez ? Quelle est l'hypothèse de départ ? Qu'est-ce qu'on savait sur le sujet avant que vous vous y atteliez ? Et donc je sais que vous allez nous embarquer dans l'ambition lorraine qu'a rappelée la présidente, science avec et pour la société. Je sais que les établissements partenaires, les élèves ont apprécié votre travail. Alors chaque année, c'est un grand plaisir pour moi de venir à l'invitation de l'Université de Lorraine qui organise fidèlement la finale territoriale. Et ça me permet de vous dire deux ou trois choses que l'on sait de vous. Alors ce qu'on sait de vous, que vous soyez dans un laboratoire CNRS ou pas, moi j'ai qu'un droit de vote, donc ça ne fera pas basculer le truc. Avec mes collègues du CNRS, on ne votera pas CNRS ou UL. On votera au coup de cœur et de toute façon, on appréciera chacune de vos prestations. Et puis, j'ai la chance de ne pas être dans le jury. Donc, mesdames, messieurs les membres du jury, good luck. Ça ne va pas être simple. Ce que nous savons de vous, c'est votre goût du partage, votre goût de la recherche. Et ce que nous voyons en vous, je voudrais le dire en plus en présence de la vice-présidente en charge du doctorat, on voit en vous des collègues, chercheuses et chercheurs. Et puis, vous êtes en train de cheminer, alors ne vous inquiétez pas trop pour l'après, les portes vont s'ouvrir. Inquiétez-vous légitimement, mais pas trop quand même, vous ferez une carrière et vous pousserez les portes si elles ne s'ouvrent pas toutes seules. Deux ou trois choses que l'on sait du public, Nathalie l'a déjà dit, souvent le public soutient son candidat. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas ce soir.
mais il est toujours fair play. Alors merci, merci pour tout ça, merci de nous donner une belle respiration, même si je sais que tous les candidats sont actuellement en apnée, ça va bien se passer. Il n'y aura pas d'anesthésie. Merci aux formateurs qui ont passé du temps avec vous, et merci à vous d'avoir accepté de faire le pas de côté. Et puis surtout merci à Nathalie, à qui je ne veux pas mettre la pression, mais depuis l'an 1000, c'est-à-dire 2013 hein, pour nous, elle n'a buté sur l'énoncé d'aucun sujet. Donc si ça doit arriver, ça sera ce soir. Je vous souhaite aussi une belle soirée avec le public qui va activer le mode curiosité active et un peu admirative. Alors je vous souhaite une bonne finale, brave chevalier paysan de l'an 2024. Quelle chance d'avoir ces deux femmes d'exception à la tête de ces deux grands établissements, l'Université de Lorraine et le CNRS en région, Hélène Boulanger. Mais oui, parce qu'en fait, c'est enregistré. Donc tout ce qu'on a vu là, jusque-là, ça va circuler sur les réseaux sociaux, vous le savez. Même le début, oui. Voilà. Antoine Petit, président du CNRS, va être très content. On va voir qu'on fait bien le boulot dans notre région. Bon. Alors, on va voir les vrais maintenant. Les 11 candidats, la crème de la crème, mesdames et messieurs. Je vous demande de les applaudir extrêmement chaleureusement. Voici Nicolas, Cyprien, Emma, Marjolaine, Anthony, Pauline, Ludovic, Emilien, Darina, Marina et Lucas. Il y a même des instruments de musique dans la salle. Qui a ramené son harmonica? J'ai rêvé ou j'ai entendu un harmonica? C'est quelqu'un qui s'est mouché peut-être. Vous vous êtes là. On a la référence Coupe du Monde Afrique du Sud. Bravo, madame la déléguée régionale. Parfait. Ça promet cette soirée. Donc, je vais quand même vous rappeler quelques règles. Vous, vous les connaissez, mais dans la salle, peut-être qu'ils ne les connaissent pas. Vous aurez un rôle important, mesdames et messieurs, ce soir, parce qu'il y aura 5 prix remis. Il y a un prix qui s'est déjà joué cet après-midi, c'est le prix des lycéens. Alors nous, nous connaissons le doctorant ou la doctorante qui a obtenu ce prix. On remettra ce prix une nouvelle fois ce soir. Il y a les prix qui seront remis par le jury, il y en aura 3. Je vous présenterai les éminents membres de ce jury d'ici quelques instants. Et il y a le prix du public. Le prix du public, c'est le vôtre. Vous allez donc devoir voter pour votre candidat favori ce soir. Et comme l'ont rappelé Madame la Présidente, Madame la Déléguée régionale, certes, vous pouvez voter pour votre fils, pour votre petit-fils, pour votre copain, pour le membre de votre labo, mais vous pouvez aussi voter sur des critères peut-être un peu plus logiques, un petit peu plus réfléchis. J'ai quelques éléments à vous donner pour vous aider dans ce choix-là. On va vous demander de regarder la façon dont ils parlent, tous et toutes. C'est ce qu'on appelle le talent d'orateur. Est-ce qu'ils ont la voix claire? Est-ce qu'ils ont une présence sur scène qui est assurée? Est-ce qu'il y a du rythme, de la fluidité dans ce qu'ils vont vous présenter ce soir? Ce talent d'orateur comptera pour un quart de la note. Un autre quart pour la médiation du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiation du sujet? Ben, c'est simplement le langage qu'ils vont utiliser. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'ils ont utilisé des métaphores, des images, des exemples? Bref, est-ce que ils ont réussi cet exercice de vulgarisation. La structure de l'exposé. Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin? Et puis, pour aller du début à la fin, est-ce que le chemin était plus ou moins logique? Cela aussi comptera pour un quart de la note. Et puis, il y a ce qu'on appelle le coup de cœur, le feeling, ce qui ne s'explique pas. Ça, cela vous regarde. Et cela comptera également pour un quart de la note. Enfin, je vous dis ça, après, vous suivez mon schéma. Si vous le voulez ou pas, vous pouvez aussi voter pour votre fils. Voilà. Ou votre fille, il n'y a pas de problème. Alors eux, ils ont des règles à respecter aussi. Ils se placeront tout à l'heure sur cette petite croix que vous ne voyez peut-être pas, qui est sur la scène, devant le chronomètre, qui va défiler imperturbable 180 secondes. Ils ont le droit de s'arrêter avant les 180 secondes. S'ils font leur exposé en 160 secondes, eh bien soit. C'est ainsi, ils ont été un peu vite, mais ce n'est pas éliminatoire. Ils peuvent faire un tout pile. Nous en avons vu un cet après-midi. C'est un exercice compliqué de s'arrêter à 180 secondes tout pile. Ils ne peuvent pas dépasser.
S'ils dépassent, ils sont éliminés. C'est cruel, mais c'est la règle. Pour cet exercice, ils auront droit à un seul support, vous le verrez derrière eux. C'est une slide, c'est un dessin, c'est une photo, c'est un petit texte qui leur servira d'appui pour cette présentation. Est-ce que tout est clair pour vous ? Une dernière chose à dire aux membres du jury qui sont là ce soir. Déjà, vous êtes très beaux. Vous n'êtes pas corruptibles normalement. Après tout, s'achète, hein, donc on peut toujours essayer. Il se peut, et c'est déjà arrivé les années précédentes, qu'il y ait un incident technique. Alors je parle bien d'incident technique. Si un candidat oublie son texte, s'il tousse, s'il est pris d'une quinte de tousse, ce n'est pas un incident technique. Malheureusement, c'est cruel, mais pour lui, les choses s'arrêtent. Un incident technique, c'est le chronomètre qui s'arrête, c'est la lampe qui tombe sur la scène. Donc là, je me tournerai vers vous, membres du jury, pour vous demander si nous reprenons, c'est vous qui déciderez, ou si les choses s'arrêtent là pour le candidat. Vous avez une sacrée responsabilité, hein, ce soir. Voilà, voilà. Donc tout est dit. Nous allons pouvoir commencer, mesdames et messieurs. Je vous demande de les applaudir une nouvelle fois. Ils rejoignent la salle. C'est vraiment sympa, ça. Alors, nos membres du jury, où sont-ils ? Ils sont là, ils sont devant, ils ont leur petit stylo, leur petit papier. Vous pouvez copier les uns sur les autres, hein, ça c'est permis, pas de souci. Je vais vous les présenter, on a Nicolas Beck. Bonjour Nicolas, vous pouvez l'applaudir. Nicolas, c'est le directeur de la vie universitaire et de la culture, chargé de mission SAP Science avec et pour la Société de l'Université de Lorraine. Il a, dans l'histoire de ma thèse en 180 secondes, un rôle tout à fait particulier parce que sans lui, il n'y aurait pas de ma thèse en 180 secondes. Et ça, je vous l'expliquerai d'ici quelques instants. À vos côtés, Célina Treuillet. Célina, bonjour. Célina, elle est doctorante au laboratoire Lorrain de recherche. Ah ouais, allez-y. Non ? On le redit ? Non. Et doctorante au LORIA, le laboratoire Lorrain de recherche en informatique et ses applications. Et Célina, l'année dernière, elle était là. Sur scène, dans bien la peau de ses 11 doctorants, et elle est repartie avec le 3e prix du jury. Célina, aujourd'hui, elle est de l'autre côté. Je te demanderai forcément si c'est mieux d'être là que là, et ce que tu as apporté cette année qui te sépare de cet exercice. Marc Guéprat est là également. Marc Guéprat est comédien. Il est co-directeur d'une compagnie que vous connaissez si vous êtes de Nancy, du Grand Nancy. C'est le Théâtre en Kit à Tomblaine, d'ailleurs, en ce moment. Il y a le Rendez-vous des Moutards, c'est la 18e édition. Il y a des tas de gamins qui ont appris à aimer le théâtre grâce à cette chouette manifestation. Et Marc, il est là parce que pendant des années, mais pas cette année, il a entraîné, il a coaché nos doctorants dans les sessions de formation qui leur ont permis d'arriver jusque-là. On apprend à être sur scène, à parler et à faire l'exercice que vous allez voir. À vos côtés, il y a Natacha Ozer-Costa. Vous êtes le directeur de l'incubateur Lorrain. L'incubateur Lorrain qui accompagne la création d'entreprises par et pour la recherche. Merci beaucoup, Madame Ozer-Costa, d'être avec nous ce soir. On va vous trouver quelques clients, hein, pour l'incubateur. Madame Nathalie Broutin-Ganet, c'est ma directrice. Alors, bonjour. Madame Broutin. La directrice de France Bleu Lorraine, radio généraliste, radio du groupe Radio France, radio locale que vous écoutez bien sûr toutes et toutes, 100.5 à Nancy. Oui, redites-le. Mon augmentation en dépend, redites-le. Ah, on n'a que des auditeurs de France Bleu. M'expliquerez pourquoi, Madame la Directrice, vous êtes là ce soir. Qu'est-ce qu'une radio généraliste vient faire dans ce genre d'exercice ? À vos côtés, Claude Descormes, le délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation pour le Grand Est, le DRARI. Voilà, comme on dit de façon plus courte, vous nous expliquerez quel est votre rôle, monsieur, et ce que vous venez faire ce soir. Et puis on va terminer par Benoît Grasser. Alors Benoît Grasser, qui non seulement est dans le jury, mais qui tout à l'heure remettra le premier prix du jury. Sacrée responsabilité. Benoît Grasser, vous êtes le VP, le vice-président adjoint à la politique scientifique de l'Université de Lorraine. C'est-à-dire que vous travaillez avec le VP Recherche. Et vous allez regarder avec beaucoup d'attention cet exercice. Vous qui avez d'ailleurs déjà encadré une jeune doctorante qui avait bien réussi d'ailleurs dans les sessions précédentes. Donc votre boulot,
c'est de regarder, c'est de noter, c'est ensuite de vous écharper le plus vite possible, parce qu'on n'a pas non plus 30 minutes pour avoir les résultats, hein, et puis de venir nous livrer le résultat de vos délibérations. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes toutes prêtes et prêts ? Oui ! Je déclare ouverte la finale 2024. Lorraine de Mathèse en 180 secondes. Et le premier candidat, mesdames et messieurs, est un collectionneur de nœuds papillons. Il s'appelle Nicolas Firling. Nicolas est en troisième année de thèse au LIEC, c'est sa toute dernière année, le laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux qui est à Nancy. Et le titre de sa thèse, vous le voyez marqué derrière lui, analyse multi-échelle de l'impact du lithium sur les micro-organismes. Nicolas, c'est toi qui as la charge, l'honneur de démarrer. 180 secondes, c'est quand tu veux. J'ai une petite habitude le matin. Bonne ou mauvaise, ça dépend du point de vue, c'est de tuer. Et oui, je suis un serial killer et très doué, spécialisé dans l'extinction de masse des micro-organismes. J'adore tester différents poisons et observer comment mes bactéries, levures, champignons réagissent. Mon poison préféré, c'est le lithium. Ce petit métal gris, de plus en plus utilisé dans les batteries de téléphones, voitures, trottinettes, de la plupart des objets mobiles que vous possédez. Sa consommation sera 100 fois plus importante d'ici 30 ans. Aujourd'hui, son rejet dans l'environnement est une vraie problématique. Issu du faible taux de recyclage des batteries ou de la surexploitation minière, les origines de son rejet sont diverses, mais la finalité commune, il s'accumule dans l'environnement. Et son impact sur les organismes est peu étudié. Et c'est là où Métallin opère. Ma dernière cible, les organismes vivant dans les sols. Comme tous ces serial killers qui se respectent, j'ai mes petites préférences. Moi, je me focalise sur les bactéries et les champignons. Petits, immobiles, inoffensifs, des cibles de rêve, quoi. Pour ce faire, je prélève des échantillons de sol et j'en place 20 grammes dans des bouteilles hermétiques que je laisse au chaud, à 24 degrés, pendant un mois, et à l'obscurité. Une fois mes organismes séquestrés, je les expose à différentes concentrations de lithium, représentatives de zones contaminées actuelles et futures. Soucieux, bien entendu, du bien-être de mes locataires, j'analyse de nombreux paramètres biologiques. Leur respiration, leur vigueur, leur abondance, ou encore leur diversité. Imaginez mon excitation quand seulement après une semaine d'exposition, je constate déjà une baisse de leur vitalité, et ceci à la plus faible concentration. Après un mois, grande satisfaction. Tous les paramètres biologiques sont en baisse et progressives en fonction des concentrations testées. Les survivants encore présents, je les dissèque, je les triture pour savoir de quoi ils sont capables. Et là, je constate qu'ils ne sont pas constitués pareil en fonction des concentrations testées. Certains sont plus gros, d'autres ont une peau plus épaisse ou encore un système respiratoire différent. Grâce à cette expérience, j'ai ainsi pu démontrer que mon poison préféré, le lithium, impacte à la fois le nombre et l'état de santé de mes organismes. Hé, je vous l'avais dit que j'étais doué, non? Pardon. Arrêtons de sourire, je parle quand même d'effets néfastes. Les organismes d'un sol sont essentiels à la vie de l'écosystème. Ils permettent, par exemple, de fournir la matière organique vitale aux plantes et aux insectes. Et oui, cela veut dire que si le lithium impacte la croissance de mes organismes, il va également impacter la croissance des autres organismes de l'environnement. Ils sont où les parents de Nicolas ? Mais il y en a combien des... Ah, maman! Mais alors c'est qui, eux? On va découvrir des secrets de famille. Oh. On est fiers du petit, il est beau, hein? Oh, ouais.
Je sais déjà pour qui vous allez voter. Hop là, c'est le labo ça, c'est le labo qui est là. Ouais. Vous savez que s'il gagne, il paye le champagne, hein, donc vous avez tout intérêt à bien voter. Institut Jean Lamour, ils sont là aussi, l'Institut Jean Lamour ? L'IJL ? Oh, c'est un peu moins, hein, Cyprien. Voilà, bon. Cyprien Berthélémy. Quel pas de danse. Cyprien Berthélémy, il fait sa thèse à l'IJL, l'Institut Jean Lamour, qui est à Nancy. C'est le LRGP, le Laboratoire Réaction et Génie des Procédés. Le LRGP, vous êtes là ? Ouais ! Alors, il a un parcours particulier, Cyprien. Il est ingénieur, il a fait les mines d'Albi. Il est en deuxième année de thèse et il va vous présenter son travail qui porte sur la modélisation et l'élaboration d'un dispositif médical innovant pour le test de médicaments anti-cancer. 3 minutes, 180 secondes, c'est quand tu veux. Quand j'étais en terminale, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune. Pas cool ? Pendant 6 ans, j'ai testé à la suite différents traitements sans trop savoir lequel allait enfin fonctionner. Comme j'aurais aimé qu'il existe à l'époque un système qui, à partir d'un échantillon de cellules, un petit bout de moi, me permette de tester tous les médicaments possibles et de me dire « Monsieur, pour vous, c'est celui-là » et qu'en un mois, ce soit plié. Eh bien ce système, aujourd'hui, je contribue à son développement. Pas dans le but de trouver un médicament adapté à un patient, mais de développer de nouveaux traitements contre le cancer. Il s'agit d'une petite puce qui tient dans le creux de la main. Oui, comme une puce électronique, sauf qu'elle ne contient pas un circuit électronique, mais un circuit microscopique de fluide. 5 petits canaux, épais comme un 1/5 de cheveu, reliés à des chambres microscopiques où sont cultivées des cellules cancéreuses mimant une tumeur. Ces canaux font la même taille que les plus petits des vaisseaux sanguins, les capillaires. Donc, si on tapisse ces canaux de cellules de vaisseaux sanguins et qu'on y injecte un simili de sang, on peut reproduire la circulation sanguine. Un système comme celui-là, capable de reproduire avec précision une partie du corps humain, on appelle cela un organe sur puce. Celui que je développe permettrait de voir comment se comporteraient de nouveaux médicaments contre le cancer, depuis leur injection dans le sang jusqu'à leur effet sur une tumeur. Ce travail colossal s'effectue en équipe. Une collègue cherche comment modéliser des tumeurs en les imprimant en 3D à partir de cellules cancéreuses. Un autre, comment accrocher des cellules au canot pour reproduire des capillaires sanguins. Et moi, je suis l'architecte de la VUS. Je la design et je fixe les paramètres permettant le test de 5 concentrations différentes en parallèle à partir d'une dose de départ, tout en intégrant les travaux des autres. Pour cela, je commence par modéliser tout un tas de géométries possibles par ordinateur. Je les dessine numériquement, puis je les découpe pour utiliser des algorithmes qui calculent les comportements des fluides. Je fixe des paramètres, la vitesse en entrée, la pression en sortie, et je lance le calcul. Quand j'ai identifié une géométrie qui fonctionne, je fabrique la puce dans une salle sans poussière à partir d'un matériau adapté aux cellules. Et je joue alors au micro-plombier. Et je perfuse la puce avec un liquide ressemblant au sang, chargé en médicaments avec les mêmes conditions que ma simulation, et je cherche à retrouver les mêmes résultats. Je répare les fuites, je fais sauter les bouchons, et petit à petit, j'ajoute de la complexité dans ma puce. En ajoutant les modèles de tumeurs, en vascularisant les canaux, en mettant du vrai sang pour la rendre de plus en plus proche du corps humain. Cet organe sur puce et d'autres pourraient remplacer l'expérimentation animale. Et si on arrive à les produire facilement, on pourrait, en y plaçant des cellules appartenant à n'importe quel patient, trouver le médicament et la dose les plus adaptés à sa maladie. Ainsi, sa longue attente pour trouver un traitement qui fonctionne ne serait plus qu'un lointain souvenir. Cyprien Berthélémy.
Alors ce soir, c'est important parce que certes, c'est une finale régionale. Traditionnellement, en Lorraine, nous commençons. Il y a des finales régionales dans toute la France tout au long du mois de mars et une soixantaine, un peu plus, de candidats vont être sélectionnés pour aller à la demi-finale qui se passera à la fin du mois de mars sur 3 jours. À Paris, une soixantaine de candidats et seulement 16 qui rejoindront au début du mois de juin la finale nationale à Nice. C'est comme ça que se passe tous les ans ma thèse en 180 secondes. Alors ça ne s'arrête pas là, parce que pour le lauréat de la finale nationale, il y a un billet pour la finale internationale. Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais ce concours Ma thèse en 180 secondes se déroule dans une grande partie de l'espace francophone. Il y a dans de très nombreux pays francophones, en ce moment même, des qualifications pour les finales de chaque pays et ils se rejoindront tous à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 18 novembre prochain. C'est organisé par l'AUF. L'AUF, c'est l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une association mondiale d'enseignement supérieur qui rassemble plus de 1000 établissements dans 180 pays et c'est eux qui organisent cette finale internationale. Alors ça se passe comme ça tous les ans et l'an passé on a eu une bonne surprise. Alors déjà nous ici en Lorraine, parce que notre candidat a accédé à la finale nationale, être parmi les 16, c'est déjà en soi un exploit. On aurait bien aimé qu'il aille un petit peu plus loin. Il aurait pu, mais il y avait des candidats de très très haute qualité, donc il n'a pas été qualifié pour la finale internationale. À la finale internationale, nous avons envoyé 2 candidats. Et parmi ces candidats, une jeune fille, Camille Lacliffy, une Parisienne, Université Paris-Cité, Institut du Cerveau, a remporté la finale internationale. Alors, c'est assez rare. Depuis l'existence de ce concours, il y a plus de 10 ans maintenant, seulement 2 Français... 2 Françaises, puisque c'était 2 filles, 2 doctorantes, ont remporté la finale internationale la première année, en 2014, et donc l'an passé, en 2023. On espère très sincèrement, jeunes gens, que vous porterez très haut et très loin, jusqu'en Côte d'Ivoire, le nom de l'Université de Lorraine. Alors, je vais quand même vous préciser que les candidats qualifiés pour la demi-finale à Paris, fin du mois de mars, seront le premier prix du jury, mesdames, messieurs les membres du jury, et le prix du public. Votre prix a donc une très, très grande importance. Si c'était le même, cela arrive, hein, que le jury et le public aient le même choix, et on prendrait le 2e prix du jury pour partir à la demi-finale nationale. Nous allons accueillir maintenant quelqu'un qui aurait pu venir avec sa guitare ou sa basse, parce qu'elle est musicienne, elle a de multiples talents, je vous demande d'applaudir, Emma Corr. Emma, elle travaille sur le site de l'INRAE à Champenoux, au milieu de la forêt, dans le laboratoire interaction arbre-micro-organismes. Elle est en 2e année de thèse, elle a un parcours bio-info, elle vient de Rhône-Alpes, la région de Grenoble-Lyon. Et elle travaille sur l'invasion des génomes de Puccinal par les éléments transposables, comment les événements de transposition façonnent l'évolution des virulences fongiques et les interactions avec les plantes hôtes. Vous n'avez rien compris, c'est normal. Elle va nous l'expliquer en 3 minutes. Quand vous partez en randonnée, vous faites sûrement attention au paysage, au nombre de kilomètres qu'il vous reste à parcourir, tout en pensant à votre future raclette. Moi, pas du tout. Je cherche des champignons. Alors attention, hein, pas de cèpe ou de morille, mais des champignons de la rouille. Ce sont eux mes préférés. Les jardiniers, vous me prenez sûrement pour une folle. Comment je peux aimer les rouilles alors que ces champignons attaquent nos potagers et la plupart de nos cultures? Alors, premièrement, ils sont très jolis, tous différents, et surtout, ils ont la capacité de devenir de super champignons. Et oui, leur ADN peut s'agrandir grâce à des éléments qui se déplacent et se multiplient. Je les appelle éléments mobiles. Ils peuvent conférer de super pouvoirs, résister au froid, au chaud, infecter plus rapidement une plante ou encore résister à de potentiels fongicides. À chaque stress du champignon, ces éléments peuvent s'activer et modifier son ADN. J'essaye donc de déterminer si l'évolution des rouilles est oui ou non due à ces éléments. Chaque jour, j'essaye de décrire le nombre d'éléments, de les classer
et de regarder leur impact chez les rouilles. Je prends alors l'ADN d'une rouille, je l'analyse grâce à une suite d'algorithmes, puis je passe à une autre. Chaque analyse peut me prendre plusieurs mois de calcul. Pour réduire ce temps, je travaille sur un giga-ordinateur. Je passe alors de quelques mois à une semaine pour parcourir l'ADN des rouilles. Puis, pour comparer mes espèces, j'ai à ma disposition des bases de données regroupant de centaines de génomes sous forme de fichiers, eux-mêmes contenant de centaines de millions de lettres représentant l'ADN. J'allume alors mon ordinateur, je parcours ces centaines de millions de lettres grâce à des scripts et je recherche chaque élément pour l'annoter. Quelle taille fait-il? Comment se multiplie-t-il? Est-il apparu récemment? Peut-il conférer de super-pouvoirs à mon champignon? Après des mois d'annotation et de calcul, je peux enfin comparer les rouilles avec d'autres champignons. J'observe alors que leur génome est complet à 90% d'éléments transposables. C'est une invasion. Je mets alors en parallèle des champignons proches qui, eux, possèdent 10 fois moins d'éléments de ce type. La probabilité d'avoir de super-pouvoirs chez les rouilles est alors beaucoup plus grande que chez les autres champignons. Ce que je sais maintenant, c'est que les rouilles sont remplies d'éléments mobiles et qu'ils sont apparus très récemment dans leur histoire. Alors oui, quand je suis en randonnée, je cherche des champignons. Mais pas n'importe lesquels, je recherche de super champignons. À tout pile, mesdames et messieurs! Bravo, elle l'a refait, parce qu'elle l'avait déjà fait cet après-midi. Deux tout pile dans la même journée. Je vais regarder ceux qui dessinent et ceux qui travaillent sérieusement. Je ne dirai rien, mais je n'en pense pas moins. Comment allez-vous, Monsieur Grasser? Regardez, je vous tends le micro. Très bien, très bien. Merci. Vous avez fait une thèse. Oh oui, vous êtes professeur d'université en ressources humaines, le CEREFIGE. Oui, il y a très longtemps. Vous auriez fait cet exercice? Jamais. Ça mérite d'être franc. Par contre, vous avez encadré une jeune fille qui s'appelait Nathalie Carole, oui. Et qui, il y a quelques années, a participé à ce concours, qui a gagné, me semble-t-il, un prix du public, qui est à Paris. C'est ça, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je trouve intéressant de vous entendre ce soir, parce qu'on se dit que derrière tous ces doctorants, il y a l'encadrant, le directeur de thèse, il y a le laboratoire. C'est un travail d'équipe. Alors, c'est un travail d'équipe. L'encadrant, déjà, est extrêmement admiratif et très fier, en fait, de voir ce parcours. Souvent parce qu'il ne l'aurait pas fait lui-même, comme je l'ai dit. Et puis, effectivement, ça met en lumière toute l'activité de recherche, tout l'environnement de recherche. Ça montre tout l'intérêt de l'activité qu'on fait. C'est tellement difficile à expliquer par ailleurs que là, on a des ambassadeurs, et c'est extraordinaire. Et du coup, non seulement ça... Ben, voilà, ça aide, ça met en lumière, mais en plus ça aide le laboratoire à penser un petit peu différemment. Donc, vous les faites beaucoup. Répéter, vous les aidez, comment ça se passe? Le prix, vous l'avez fêté dans le laboratoire? Ah ben, ça a été fêté évidemment, mais encore, c'est le parcours et la fierté tout du long et tout ce que ça apporte par la suite qui est important. Est-ce que c'est une ligne dans un CV? On sait que c'est très concurrentiel la recherche aujourd'hui. Oui, ça fait partie des choses qui sont tout à fait regardées parce que, en fait, la question c'est de savoir ce que savent les docteurs et de comprendre ce qu'ils apportent. Et en fait, la capacité à exprimer et à faire comprendre ce que l'on sait, comme c'est démontré là ce soir, c'est absolument essentiel, d'abord pour le rapport entre science et société, mais aussi pour nous faire avancer collectivement par rapport à tous les défis qu'on doit affronter. C'est bien de vous entendre le dire, Benoît Grasser, parce qu'il y en a de moins en moins, mais il y a encore des chercheurs, des encadrants qui pensent que c'est une perte de temps pour les doctorants. Ce n'est pas le cas. Et on l'affirme, on le réaffirme ce soir. On le réaffirme avec force. Claude Descormes, qu'est-ce que vous notez, monsieur? Vous n'avez rien noté? Chez Vierge pour l'instant. Tout est dans votre tête. Claude Descormes, qui est le délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation pour le Grand Est, le DRARI. Vous avez dans vos missions, monsieur Descormes, tout ce qui est l'intelligence économique. Alors, c'est la protection du patrimoine scientifique et technique. C'est le rapport avec les SAT, avec l'incubateur. On va dire ça, on met de côté. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est votre autre mission, c'est la diffusion de la CSTI, la culture scientifique et technique. Ben, c'est ça, finalement. Oui, très bel exercice, très belle démonstration. C'est une... Comme ça a été dit, une très belle fête pour la science avec et pour la société.
Donc je suis très heureux d'être là pour fêter ça. C'est une action importante pour le ministère de la Recherche. Il est important que les chercheurs progressent dans la connaissance. Il est important, plus important et de plus en plus important qu'ils le partagent avec la société et que la société sache ce que fait la science, ce que font les chercheurs et qu'on soit en mesure de le partager. Donc vous êtes le représentant en région du ministère, notre ministre, Madame Retailleau, les recevra peut-être parce que souvent les finalistes de la finale nationale sont reçus par le ministre de la Recherche, parfois même par le Premier ministre. Donc c'est aussi un honneur pour eux et s'ils représentent leur université, leur regroupement, c'est d'autant mieux. Ça va, ça travaille bien ? Oui, très bien. Pour l'instant, vous avez copié sur votre voisine ? Non. Non, attention, je vous regarde tous. Bon, on va continuer parce que le temps est compté. Puis on ne va pas parler plus que 180 secondes quand même. Ce soir, je vais vous demander d'accueillir celle qui va déchaîner les passions parce que j'ai vu au fond de la salle une pancarte. Go ! Mon Dieu, il y a même les pom-pom girls. Go ! Marjo, voici Marjolaine Jatteau. Marjolaine, elle est en deuxième année d'été, c'est une géologue. Elle travaille au laboratoire Géoressources qui est en haut à Brabois, donc sur Nancy. Son travail, vous le voyez marqué, cartographie et caractérisation des métaux critiques par outils portables spectroscopiques. Deux points. Application aux gisements porphyres épithermaux du nord-est de la Grèce. J'ai toujours pas trébuché, madame la déléguée régionale. Marjorie, 3 minutes, 180 secondes. C'est quand tu veux. Qui dit géologue dit marteau. Non pas que je sois complètement frappée, mais j'adore péter des cailloux. Mais pas n'importe lesquels. J'ai des goûts de luxe. Je ne veux que ceux riches en métaux critiques. Mais de quoi elle nous parle ? Je vous explique. Les métaux critiques sont très demandés dans notre société, mais peu exploités et non remplaçables. Prenez l'indium, qui sert à nous fabriquer de beaux écrans de télévision. Comment ferait-on sans lui pour regarder nos films ? Ou encore le germanium, utilisé pour la fibre optique. Difficile de s'en passer de nos jours. Seulement, leur approvisionnement peut être soumis à des risques géologiques. Plus assez de métaux. Ou encore géopolitique. Une guerre, dans un pays qui en a plein. Imaginez les impacts économiques négatifs sur notre société. Il est donc nécessaire de trouver de nouveaux gisements. Mais ces métaux sont très petits et se planquent vraiment bien dans les roches. Pour les trouver plus facilement, ma mission est d'analyser minutieusement leur environnement chimique et minéralogique à l'aide de nouvelles méthodes d'investigation. Une fois par an, pendant 2 semaines, je pars en mission d'exploration au nord-est de la Grèce. Là-bas, au bord de la plage, se trouvent plusieurs gisements riches en métaux critiques. Je cherche alors des échantillons à emporter dans mon sac à dos. Mais pour éviter de soulever des montagnes, j'ai 2 pistolets laser. Des outils portables spectroscopiques capables de lire dans les cailloux en quelques minutes seulement. En les pointant sur les roches, des spectres apparaissent sur leur petit écran. Je ne vous parle pas de fantômes, mais de graphiques me donnant la composition chimique et donc les métaux présents. Armée de mes pistolets, je choisis les échantillons les plus intéressants à emporter. J'en profite pour analyser tous les cailloux que je ne prendrai pas. J'ai alors beaucoup de données sur l'environnement chimique de mes métaux. Seulement, mes outils sont un petit peu capricieux. Les deux ne détectent pas forcément les mêmes métaux et ils peuvent même se tromper dans leur identification. Pour les utiliser efficacement et savoir lequel est le plus adapté en fonction des métaux recherchés, je procède à des vérifications une fois mon voyage terminé. Dans mon laboratoire, je décortique les échantillons de mon sac à dos. Je les observe en détail avec un microscope. Je cherche les métaux qu'ils contiennent et les minéraux associés qui permettent de les trouver. J'ai alors des résultats très fiables que je compare au spectre de mes pistolets pour voir si tout coïncide. Enfin, je dessine une carte du nord-est de la Grèce servant de guide d'exploration. J'indique la localisation des métaux critiques et des minéraux qui leur sont spécifiques. Avec toutes ces informations, impossible de ne plus les démasquer. Alors fuyez, pauvres métaux, car avec mes pistolets, vous ne passerez pas
au travers de mes filets. Il y a une photo. Remontre ta pancarte. C'est ta photo, Marjolaine? C'est un dessin? Oh là, c'est des fous, hein. Vous êtes qui? Vous êtes la famille? Vous êtes le labo? Oh, madame la présidente, c'est quel labo? Géoressources. Pas que des péteurs de cailloux, si je puis me permettre. Bravo à vous, en tout cas, on voit que le laboratoire entier est derrière Marjolaine Jatteau. Nous allons accueillir maintenant un représentant du CRAN. Oh, bah le CRAN seront moins que Géoressources, hein. Ah non, ils sont moins nombreux, mais la qualité est là, si je puis me permettre. Anthony Couture. C'est un matheux, Anthony Couture, un mathématicien en deuxième année de thèse. Il vient de Bordeaux. Il s'est arrêté quelques années à Paris-Saclay pour faire ses études avant d'arriver chez nous pour faire son travail de doctorat au CRAN à Nancy. Et il travaille, vous le voyez, sur les stratégies de décarbonation, une approche à l'interface de la théorie des mécanismes, des systèmes dynamiques et des neurosciences. Anthony, tu as 180 secondes. Il y a 3 ans, le confinement remet ma carrière de mathématicien en question. J'adore les maths fondamentales. Mais bon, malgré l'indiscutable augmentation de la température du globe, les décideurs agissent comme des grenouilles dans une casserole d'eau chaude et nous laissent cuire sans rien faire. Ça me motive à agir. Donc, quand on me propose des maths appliquées sur le climat, je fonce. Et maintenant, devant mon tableau blanc, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi ? Alors que tous les scientifiques disent qu'il faut rapidement réduire les émissions de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique, les gouvernements du monde entier continuent d'en produire comme si de rien n'était. Je ne suis pas économiste, ni expert du climat d'ailleurs, juste un mec qui adore résoudre des problèmes. Les maths, c'est ma boîte à outils pour comprendre les choses. Et mon outil préféré, c'est la théorie des jeux. Pour avoir un jeu, il faut répondre à 3 questions. Qui joue ? Comment et dans quel but? Par exemple, quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes aussi dans un jeu. Qui joue? Les conducteurs. Comment? En choisissant leur manière de conduire. À droite? À gauche? Rapidement? Lentement? Et dans quel but? Arriver le plus vite possible à destination, vivant. Les théoriciens des jeux regardent ce que font les joueurs et analysent. Est-ce que naturellement les gens roulent à droite? À quelle vitesse? On regarde notre jeu dans tous les sens pour comprendre pourquoi les joueurs agissent comme cela. Pour appliquer cette théorie à la question climatique, j'ai donc créé un jeu. Les gouvernements, mes grenouilles, choisissent combien de CO2 ils vont émettre. Leur objectif est le suivant. Ils doivent faire un compromis entre leur développement économique et des dégâts dus au réchauffement climatique. En gros, le CO2 est bon pour l'économie, mais augmente en retour la température de la marmite dans laquelle nous sommes tous. Pour comprendre pourquoi les émissions sont au maximum, j'étudie les caractéristiques de mon jeu. Il semblerait que les problèmes viennent des modèles économiques qui mettent en équation les dégâts climatiques. J'ai halluciné quand j'ai réalisé que ces équations avaient été choisies d'une manière plus que discutable et avaient été trop peu remises en cause. Résultat, au lieu d'être encouragés à coopérer, les gouvernements sont mathématiquement incités à jouer perso. Mais ce n'est pas le seul problème. Les joueurs ne se projettent pas assez pour mesurer leur impact sur le climat. C'est pourquoi je cherche aussi quelle serait la durée optimale d'un accord pour que tout le monde accepte d'y participer. Est-ce que c'est plus 5 ou 50 ans? Mon objectif est de faire changer la manière dont sont négociées les émissions de CO2 avant que celles-ci ne nous envoient droit dans le mur. Est-ce que c'est réaliste? J'espère, car nous n'avons plus beaucoup de temps. Anthony Couture.
Voici Colin N. Vous êtes où ? Il est où le laboratoire de Colin ? Là ? Il est tout seul ? Il est deux ? Ah, il est là aussi, vous êtes dispersés. Ah oui, on voit que c'est une tactique. Colin, elle est nancéenne, mais son laboratoire d'accueil est à Metz, c'est le laboratoire interdisciplinaire en santé publique, intervention et instruments de mesure complexe, c'est INSPIRE, sur le campus Messin. Colin, elle fait une thèse financée par ce qu'on appelle une bourse CIFRE. Alors traditionnellement, on fait ça entre un laboratoire et une entreprise. Dans ton cas, Colin, c'est un laboratoire et une association, la Fédération française des diabétiques. Tu te partages ton temps entre les deux. Ton travail, développement d'un e-programme pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un diabète basé sur la thérapie psychologique d'acceptation et d'engagement. Tu as découvert la psychologie de la santé lors de ton année d'Erasmus que tu as fait en Pologne. Tu es en troisième année de thèse, ça touche à sa fin et tu vas nous expliquer tout cela en 180 secondes. Votre mère, votre grand-père, peut-être même votre collègue, 6% de la population française est atteinte d'un diabète, et si je compte bien, ça doit faire 24 personnes dans cette salle. Si le diabète engendre des complications médicales, il peut également être à l'origine, de manière indirecte, d'une dégradation de la santé mentale. Oui, vivre avec un diabète n'est pas évident. Il faut prendre un traitement tous les jours, accepter que son quotidien sera différent que celui de son voisin, suivre des recommandations de santé qu'on préférait prendre à la légère. Mon projet de recherche consiste à créer une boîte à outils pour les personnes diabétiques, une alliée pour vivre plus sereinement avec cette pathologie. Elle repose sur la thérapie ACT, pour Acceptance and Commitment Therapy, ou en français, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Son but est d'augmenter la flexibilité psychologique du patient, c'est-à-dire la capacité à combattre les obstacles du quotidien et d'améliorer sa qualité de vie. J'ai créé, en collaboration avec des psychiatres, psychologues, diététiciens, cardiologues, des vidéos basées sur les différents processus de cette thérapie comme identifier ses valeurs ou encore être dans le moment présent. Concrètement, trois fois par semaine, durant six semaines, les participants recevaient un mail de ma part avec une vidéo basée sur le processus du jour. Afin d'évaluer l'impact de cette boîte à outils dans la vie des participants, j'ai échangé avec eux avant et après le programme à travers deux méthodes. D'une part, j'ai construit un questionnaire regroupant différentes thématiques de la vie des participants, comme l'acceptation de la maladie ou les symptômes anxieux et dépressifs. D'autre part, j'ai conduit des entretiens avec les participants afin de recueillir leur opinion sur le programme qu'ils venaient de suivre. Petit à petit, j'avance dans ma thèse et j'en suis arrivée au stade de traiter les données que j'ai pu collecter. Leurs analyses me permettront de savoir si cette boîte à outils a été utile aux yeux des participants et quelle importance elle a pris pour eux dans leur vie quotidienne. Si mes données sont bonnes, et pour l'instant ça a l'air d'être le cas, je pourrais alors proposer cette boîte à outils à un plus grand nombre de patients diabétiques à travers la France. Les soins physiques et psychiques deviennent de véritables alliés. La flexibilité psychologique et la qualité de vie sont améliorées. Aujourd'hui, en France, la santé mentale liée au diabète n'est pas encore assez explorée et il est temps que cela change. Si le diabète impacte la vie de plus de 4 millions de personnes, qui vous dit qu'une chercheuse téméraire ne pourrait pas en faire tout autant ? Elle s'appelle Colin N, cette chercheuse téméraire. Alors ils étaient 28 en fait sur la ligne de départ, 28 doctorants de l'Université de Lorraine à suivre des formations. Parce que ce que vous voyez
Ce soir, c'est l'aboutissement. Mais finalement, l'exercice de ma thèse en 180 secondes, ce n'est pas que ce one-shot devant vous ce soir. C'est des sessions de formation pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, avec des professionnels de la médiation scientifique et des professionnels de théâtre. Ce professionnel-là, pendant de nombreuses années, ça a été Marc Guéprat. On va vous passer le micro. Marc, il est comédien, c'est le co-directeur de la compagnie Théâtre en Kit, pour quelques mois encore. Parce que, oui, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, jusqu'à la, profitez-en, si vous voulez les voir sur scène. Marc, qu'est-ce qu'on apprend à ces jeunes gens qui arrivent vierges de tout et ils ne connaissent rien à la scène? Alors, ils ne connaissent pas souvent grand-chose à la scène. Il faut dire qu'on a complètement oublié dans nos cursus de l'enseigner. Et on leur apprend assez rapidement à se rendre compte que la voix, le corps envoient des informations et que ces informations peuvent être ou positives ou négatives et qu'il est important de les gérer. Comment se passe le travail avec eux? Qu'est-ce que vous faites concrètement? On fait des échauffements, on travaille la voix, il y a toutes sortes de techniques. On travaille aussi le geste, vous l'avez vu, il y a des mouvements et ces mouvements se contrôlent. Enfin, l'idée, c'est que lorsqu'on prend la parole, on soit en capacité de ne pas être trop stressé pour pouvoir absolument gérer le volume, ce qu'on est en train de dire, et en même temps envoyer des informations avec le corps, compléter ce que l'on dit par des informations. Et ça, ça peut servir dans bien des situations. On avait des lycéens cet après-midi. Ben, la question, elle arrive depuis que le grand oral a été mis au programme. C'est comment on fait pour ne pas être stressé le jour du grand oral? Vous intervenez auprès des lycéens? Oui. Souffler les lidas à la rectrice, non? C'est, oui, on travaille avec les lycéens du grand oral dans certains lycées du département. Il y a des tas de situations quand on cherche un emploi, quand on doit rencontrer... une future ou un futur. Dès qu'on est en face de quelqu'un, par exemple si on se fait arrêter par la police, eh bien, on peut être en mesure de changer le comportement et d'influer sur l'éventuelle amende. Je l'ai vécu et ça marche. Alors, Marc donne des stages. Bon, c'est un peu cher, mais ça peut vous faire économiser des sous. Donc, n'hésitez pas à aller le voir cette année. Et je tiens à les saluer parce que je crois qu'ils sont dans la salle. C'est Cécile Bouzon et Adrien Guching, la compagnie Réversible. Réversible. Ils sont à Tomblaine aussi. Hein. Ils sont à Tomblaine aussi. Ils sont dans la salle? Oui. Est-ce qu'ils sont là? Bravo à vous qui ont été en charge, qui ont eu l'honneur. D'ailleurs, je vous ai vu tout à l'heure. Vous les chauffez encore, vous les boostez, vous les coachez avant de rentrer sur scène. Alors Marc, l'an passé, tu as formé Célina Treuillet. Célina, elle est doctorante au laboratoire Lorrain de recherche en informatique et ses applications. C'est le Lauréat, c'est pas fini ou c'est fini? Non, c'est pas encore fini. C'est quand la soutenance? Fin d'année. Vous êtes tous invités. Et l'année dernière, tu étais à la place de ces 11 doctorants. Ça a fonctionné pour toi, tu es reparti avec le troisième prix. Tu te souviens comment ça s'est passé? Je me souviens très bien, j'en garde un très bon souvenir. Et c'était une super soirée, j'espère qu'ils profitent tout autant que j'avais pu profiter l'année dernière et qu'ils garderont un aussi bon souvenir. Conception d'un système de recommandation pour ouvrir les bulles d'opinion. C'est ça. Tu t'en souviens encore? Je m'en souviens. Tu pourrais le refaire? Je ne suis pas sûre. Allez, non. Non. Depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cet exercice te sert ou finalement non, c'est terminé, c'est derrière toi? Non, ça m'a vraiment servi. Je me rends compte que quand j'ai des présentations orales à faire, et ça revient beaucoup quand on est doctorant, j'ai moins d'appréhension et je pense que je garderai quelque chose de cette formation. Qu'est-ce que tu regardes là ce soir? Qu'est-ce qui va faire la différence? Eh ben, j'essaye de faire très bien mon travail. Je suis la grille de notation. Donc je ne saurai rien, c'est ça. On n'aura pas le moindre petit détail. Merci beaucoup à vous. Je reviendrai embêter le reste du jury d'ici quelques instants. Nous allons accueillir maintenant. Je crois qu'il a des pancartes aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui soutiennent Ludo? Ludovic Vautier. Ludovic, c'est un pur produit du campus Brabois. Il est en deuxième année de thèse. Il est au laboratoire réaction et génie des procédés, le LRGP, juste sur le petit pôle de l'ENSAIA, donc en haut, hein, sur le campus Brabois. Il est ingénieur ENSAIA et il a fait sa prépa des ILP, donc tout en haut. Voilà, il connaît parfaitement ce secteur-là. Ludovic travaille sur le couplage de la fermentation sombre anaérobie et de la biométhanation pour la production de biométhane. 180 secondes, 3 minutes.
le tétanos, le botulisme, les gangrènes gazeuses. Bleh. Des petites infections que je ne souhaite sincèrement à personne. Elles sont causées par des bactéries appelées Clostridium. A priori, elles ne nous semblent pas très amicales. Pourtant, moi, elles me fascinent. Car si je vous disais qu'elles pourraient nous aider dans la transition énergétique, je m'explique. Ces bactéries, je les cultive en laboratoire, seules, sans air, dans la pénombre. Elles fermentent, elles se nourrissent, elles grandissent, elles se multiplient. Ça fait des bulles. Et de ces bulles sort un précieux gaz, du dihydrogène, plus simplement nommé hydrogène. Vous en avez sûrement entendu parler. La voiture à hydrogène, la pile à combustible, mais bien sûr, l'hydrogène, c'est l'énergie du futur. Ah, revenons à nos bactéries. Mon rôle au labo, c'est d'être leur papa gâteau. Je les installe dans un petit bocal bien chauffé, un bioréacteur, et je les nourris. Tout d'abord, de sucre, afin d'évaluer déjà quelle souche de Clostridium me produit le plus d'hydrogène. Je sélectionne cette souche, puis je lui donne à manger des déchets des industries alimentaires. Là, j'évalue plein de paramètres, notamment quel aliment elle préfère, en quelle quantité je lui donne et à quelle fréquence. Ceci afin qu'elle développe la meilleure croissance possible et par conséquent me dégage un maximum d'hydrogène. Cependant, je n'utiliserai pas l'hydrogène comme énergie finale. Voyez-vous, le problème, c'est que le dihydrogène est la plus petite molécule de l'univers. Alors elle se comporte comme votre petite cousine de 6 ans à un repas de famille qui s'éternise. Elle ne tient pas en place, voire elle devient explosive et a tendance à s'enfuir un peu partout dès qu'elle le peut. Pour contenir et distribuer de l'hydrogène en toute sécurité, il faudrait tout un tas d'infrastructures supplémentaires et c'est très coûteux. Pour contourner cela, j'ai mis une petite combine. Je vais directement transférer l'hydrogène sortant du bioréacteur à d'autres micro-organismes, des archées. Eux, ils sont capables de capter ce gaz ainsi que du CO2. Ils mélangent les deux pour fabriquer du méthane, le composé principal du gaz naturel, que vous utilisez peut-être déjà chez vous pour vous chauffer. Dans ce cas, toutes les infrastructures et tout le réseau de distribution existent déjà. Pas besoin de dépenses supplémentaires. Vous réalisez, utiliser des déchets des industries alimentaires pour les convertir en énergie disponible directement chez vous. Et maintenant, les Clostridium ne vous paraissent-elles pas plus amicales ? Ludovic Vautier, viens Ludo, tu vas prendre ton petit kiff parce que ça, on ne le vit qu'une fois dans sa vie. Faites les banderoles là, allez-y. Dorénavant, tous les matins en arrivant au laboratoire, ce sera ça. C'est beau ça, hein, quand même. Hein. Voilà. Tu peux retourner. Allez, ça suffit Ludovic maintenant, dans ta chambre. Mesdames et messieurs, voici Émilien Schall. Mesdames et messieurs, si entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, votre cœur balance, voici le candidat qu'il vous faut. Émilien travaille à Nancy, au laboratoire défaillance cardiovasculaire aiguë et chronique, c'est le DCAC, et il travaille à Metz également, au laboratoire d'études des microstructures et de mécanique des matériaux, c'est le LEM3. Dans la première partie, c'est plutôt les aspects cliniques, et au LEM3, les aspects matériaux et mécaniques de son travail qui porte sur le développement d'un appareil pour évaluer la profondeur des brûlures en utilisant les propriétés électromécaniques de la peau humaine. Émilien, il est en deuxième année de thèse. Il a fait une école d'ingénieur qui s'appelle Epicen et il a fait une prépa à Strasbourg. Il va nous expliquer tout ça et son travail en 180 secondes. Tes œufs, tu les voudrais comment ? Ah, c'est malin ça. Je viens de me brûler.
Heureusement, là, ça va, c'est pas très grave. Un peu d'eau froide, de la pommade et ça ira. Malheureusement, tout le monde n'a pas la même chance que moi. La profondeur et la surface d'une brûlure peuvent être beaucoup plus importantes. La peau, c'est complexe. De nombreuses couches qui ont tout un rôle. Et avec 300 000 décès chaque année, rien que par le feu, autant vous dire qu'il y a du travail. Visualisez voir tous un millefeuille. Moi, j'adore ça, les millefeuilles. La peau, eh bien, c'est pareil. Vous avez trois couches. L'hypoderme, le fond du millefeuille. Vous savez, cette pâte qu'on n'arrive jamais à couper avec la cuillère. Le derme, l'épaisse couche de crème au milieu, l'essentiel du dessert et aussi de la peau. Et enfin, l'épiderme, le glaçage à la surface. Eh bien, si vous entamez la crème, félicitations, vous venez de vous brûler au second degré. Et si trop de crème est entamée, eh bien, il va falloir vous emmener à l'hôpital. Mais bon, pas toujours facile de distinguer la profondeur d'une brûlure à l'œil nu, même pour un expert. La peau change d'une personne à l'autre. Et c'est donc là que j'interviens. Je cherche à extraire les propriétés de la peau et à la caractériser. Selon les conditions extérieures, est-elle dure? Est-elle molle? Si je fais passer un courant électrique, que j'applique une pression à sa surface, comment est-ce qu'elle se comporte? Quelle est l'influence de l'humidité de l'air? De l'âge du patient? De son hygiène de vie? Tellement de paramètres que tous les cités me prendraient bien plus que 180 secondes. Et rassurez-vous, je ne grille pas mes patients. Et je peux compter sur les oreilles de cochon, très proches de la peau humaine, pour obtenir mes données avant de passer sur l'humain. Ces données, je m'en sers pour recréer virtuellement de la peau. Je représente chaque couche en 3D grâce à des ordinateurs bien costauds. Ces simulations, elles me permettent de mieux comprendre chaque patient et comment sa peau se comporte. Le but de ma thèse, créer un outil que les médecins peuvent utiliser directement au service des urgences dès l'arrivée d'un patient pour améliorer le diagnostic des brûlures. Je dois donc créer des prototypes en faisant de la soudure, de l'impression 3D, en travaillant avec de l'électronique, parfois bien qu'imprécieuse. À ça, j'ajoute l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui rôde. Et oui, je ne peux pas faire rentrer aussi facilement un tout nouveau dispositif médical dans un hôpital, égare à moi si je ne respecte pas les règles. Tout ça, c'est à moi de le gérer, pour ne pas concevoir quelque chose de dangereux. Je ne voudrais pas aggraver la situation des patients. Heureusement, je peux compter sur tous les acteurs qui m'assistent et me prêtent main forte. Médecins, ingénieurs, techniciens, chercheurs. Ils m'assistent aussi dans mon travail auprès des patients gravement brûlés, car c'est un travail qui demande une certaine force mentale. Mais rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose qui va me refroidir. Emilien Schall, est-ce qu'il y en a qui viennent tous les ans à ma thèse en 180 secondes? Oui. Ouais, on a des recordmen, cordwoman. Qu'est-ce qui a assisté à deux finales? À trois? Je vous vois pas bien. À quatre? Cinq? Qui dit mieux? Six? Sept? Clotilde Boulanger qui... Dix, Clotilde? Onze? Qui a assisté à toutes les finales? Vous aussi? Toutes les finales? C'est fou ça quand même. Bravo. Vous connaissez... Alors, pardon pour ceux qui ont assisté à toutes les finales et qui donc m'entendent pour la 11e fois raconter la même histoire. Il y en a qui débarquent aussi, hein, donc il faut bien que je la raconte une nouvelle fois. En fait, ma thèse en 180 secondes est née en... Alors, en fait, celui qui a répondu, lui, 14, nul. En fait, vous avez assisté au 11, mais vous n'avez rien suivi. Et né en Australie, mais oui, dans le Queensland, très exactement. 2008, première édition. Alors, c'est un petit peu avant 2008, l'été 2007, une grande sécheresse en Australie. On rationne l'eau. Et un professeur de l'université de Queensland, qui s'appelle Alan Lawson, un professeur émérite, qui est d'ailleurs toujours en poste dans son université, est sous sa douche, et il a mis un minuteur. Voilà, 3 minutes, parce qu'il faut économiser l'eau. Et il se dit qu'en 3 minutes, on peut quand même en dire beaucoup des choses. Et il a l'idée, pour entraîner ses étudiants à l'oral, de leur proposer un exercice, de parler de leur recherche en 3 minutes. Ben voilà, ma thèse en 180 secondes est née. Aujourd'hui, ce concours existe. Il est dans toute la zone Asie-Pacifique. 900 universités participent dans 85 pays à travers le monde. On va dire que c'est la version...
anglophone de ma thèse en 180 secondes. C'est même diffusé à la télé, c'est un événement extraordinaire. Il faut attendre 2012 pour que ce concours arrive en français, dans l'espace francophone. Et comme souvent, ça se passe au Canada et dans le public. Cette année-là, il y a un Lorrain. C'est Nicolas Beck qui va prendre le micro, qui est là. Nicolas qui m'a déjà menacé avant de venir en me disant « Si tu dis encore une fois que je suis le papa de ma thèse en 180 secondes, bientôt ce sera le grand-papa les années passant. » Et tu seras donc la grand-mère. Exactement. Moi aussi, j'ai fait toutes les émissions. Alors, Nicolas, tu es dans le public en 2012, au Québec. Tu vois cet exercice. Qu'est-ce que tu te dis tout de suite ? J'ai vu quelqu'un que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui a remporté cette finale en 2012 à Montréal, qui est Viviane Lalande, qui aujourd'hui a une chaîne YouTube sous le nom de Syllabus et qui fait de la vulgarisation depuis. Donc on s'est d'ailleurs recroisés. Et cette candidate et tous les autres d'ailleurs qui étaient présents, ils ont fait cet exercice avec un contexte un peu différent. C'était pas exactement le même nom. On a ajusté un petit peu par la suite. Mais tout de suite, évidemment, l'idée qu'il y a un potentiel, il y a un exercice tellement simple en apparence que voilà, il y a quelque chose à faire. Et puis, voilà, 2013, on s'est dit... On retraverse l'Atlantique avec l'idée dans les bagages. On la propose ici. Au début, il n'y a pas grand monde d'emballés quand même, Nicolas. Ça va prendre très vite, mais en 2013, on est un petit peu tout seul, l'Université de Lorraine. Je ne le dirais pas comme ça, je dirais qu'on était les premiers. Voilà. Si on vous le demande, redites-le. Plus exactement, en binôme avec nos amis de l'Université de Liège, on était les deux premières universités européennes à organiser ma thèse en 180 secondes, avec le partenariat, le parrainage, on va dire, de nos amis québécois. Et il y a eu quelques hésitations de certains, mais très vite, l'enthousiasme et la présence du public, l'enthousiasme des doctorants aussi pour l'exercice, a fait que tout le monde a pris le train et voilà. Et dans l'histoire de Nancy, il y a des noms qui restent, hein, Stanislas, Pablo Correa, Kamel Makloufi, le premier à avoir gagné la nôtre de finale. D'ailleurs, il est parti, en tout cas, il a remporté la finale Europe, la finale francophone Europe, Kamel Makloufi, cette année-là. Voilà. On l'a revu l'année dernière pour les 10 ans. Il est toujours là pour nous faire un petit coucou. Et puis ensuite, le concours a pris une envergure nationale. Ça nous a un peu dépassé. Tout le monde participe aujourd'hui en France. Tout le monde participe, c'est vrai que c'est un exercice qui a pris aussi une ampleur différente parce qu'il s'intègre, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un dispositif de formation des doctorants et dans une logique aussi où maintenant tous les établissements universitaires sont dans cette dynamique science avec et pour la société, donc il y a vraiment une vraie politique d'accompagnement du doctorat vers cette voie-là. Et tout l'espace francophone, à la finale internationale, il y aura 20 pays représentés, ce n'est pas qu'il n'y a que 20 pays francophones qui participent, mais c'est qu'il a bien fallu limiter le nombre de finalistes, donc 20 finalistes, et on espère la France, on espère un candidat de l'Université de Lorraine pour nous représenter. Je vous demanderai quand même de l'applaudir très fort, parce que si on est là ce soir, c'est grâce à lui, Nicolas Beck. Elle est bretonne, elle m'a bien demandé de le spécifier. Il y a des Bretons dans la salle ? Oui ! Darina Kolkanap. Une microbiologiste, elle a fait une école d'ingénieur Darina en microbiologie qualité à Brest et elle a traversé la France pour atterrir au laboratoire d'ingénierie des biomolécules, le Libio. On est à Brabois. Ingénierie de microbiome laitier anti-pseudomonas. 180 secondes. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Notre plus grande fierté est menacée, le fromage, en cause des bactéries microscopiques appelées pseudomonas. Il en existe presque 300 différentes, on les retrouve à peu près partout, elles peuvent s'attaquer à l'homme, mais plus grave, elles ont fini par contaminer nos fromages, en causant de graves défauts, des taches de couleur, une odeur de pourriture, un goût amer, et résultat, on les jette. Est-ce que vous voulez d'un monde dans lequel notre fromage finit à la poubelle plutôt que dans notre assiette ? Pour moi, c'est hors de question. C'est pourquoi je me propose chef d'un projet de sauvetage que j'ai sobrement nommé le projet Fromage en péril. Le but est de trouver comment lutter contre Pseudomonas
Et évidemment, ça ne va pas être simple, puisque ces envahisseurs se sont mêlés aux bons micro-organismes du fromage. Vous savez, ceux qui sont sans danger et qui permettent la fermentation. Ces micro-organismes, ils forment ce que l'on appelle un microbiome. Une communauté interconnectée, complémentaire. La richesse du fromage, c'est eux. Il faut donc trouver un moyen de lutte ciblant précisément nos ennemis pour ne pas venir perturber ce microbiome. Moi, chef de projet, je n'utiliserai pas d'additifs ou autre poudre de perlimpinpin. Moi, chef de projet, je vous propose d'utiliser une approche révolutionnaire, la sélection naturelle. Je vous explique. Imaginez deux lionnes sur un même territoire. Elles vont se faire compétition, soit en s'attaquant, soit en se disputant les proies, et la plus faible aura du mal à survivre. Et bien chez les bactéries, c'est pareil. Je vais donc chercher des agents spéciaux parmi des bactéries poussant naturellement dans les produits laitiers qu'on sait sans danger pour faire compétition à Pseudomonas. Pour les sélectionner, ces bactéries, au laboratoire, 1. Je choisis des bactéries laitières, 2. Je les mets chacune en contact avec Pseudomonas, et 3. Je mesure leur évolution au cours du temps. Si la quantité de Pseudomonas n'augmente pas, voire diminue, la bactérie est capable de les repousser, c'est un agent spécial. Mais attention, mon projet ne s'arrête pas là, ce n'est pas qu'un simple duel. Il y a une telle diversité de pseudomonas, au comportement, capacités variées. Imaginez notre agent spécial, seul, face à toute une armée. Bah, évidemment, c'est mission impossible. Alors attention, je vous dévoile la stratégie de mon projet, l'ingénierie de microbiome. Comprenez la manipulation d'une communauté de bactéries. En gros, moi aussi, je vais former mon armée. Je vais prendre plusieurs agents spéciaux que je vais forcer à cohabiter. Le but est de trouver la combinaison d'agents aux capacités complémentaires leur permettant au maximum de s'entraider, former une armée et être plus fort que Pseudomonas. Si cela fonctionne, on pourra les intégrer de manière préventive dans les productions de fromage. Mes chers compatriotes, notre gastronomie, notre patrimoine est en péril. Ne laissons plus les fromages être gaspillés. Luttons ensemble, car l'ingénierie de microbiome, c'est notre projet. Darina Kolkanep, qui est donc venue chercher le Munster dans notre région, c'est bien ça. Ouais, effectivement. Celle qui va se présenter devant vous maintenant a un parcours tout à fait particulier. On peut dire que c'est l'accomplissement d'un rêve qui l'amène là. Ce soir devant vous, je vous demande d'accueillir Marina Shaw. Marina, depuis l'enfance, elle a une passion, c'est les sports automobiles, c'est la Formule 1. Elle regarde les Grands Prix tous les dimanches et son rêve, c'est devenir pilote de Formule 1. On l'espère en tout cas vivement un jour te voir à la télé. Elle a donc tout fait pour y arriver. Elle a fait une école d'ingénieurs, l'ESTACA, spécialisée dans les transports. Elle a d'ailleurs, durant ce cursus en école d'ingénieurs, choisi de faire une année de césure chez Renault Sport F1. Et elle continue avec sa thèse à poursuivre ce rêve puisqu'elle fait une thèse CIFRE. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un financement ou un travail entre un laboratoire et une entreprise. Le laboratoire est à Metz. C'est le laboratoire de conception, optimisation et modélisation des systèmes, le ELCOMS. Et l'entreprise, c'est Alpine Cars, mesdames et messieurs. Eh ouais, ça vend du rêve, hein. Marina travaille sur la détection de l'état de conducteur basé sur la dynamique de véhicule et les signaux affectifs. Marina, tu as 3 minutes. Une voiture qui te double par la droite. Une grand-mère et sa Modus qui te grille la priorité. Et bon sang, le pire dans tout ça, c'est la Golf qui te colle à l'arrière-train en te faisant des appels de phare. Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils ont à faire ça? Eh bien, ce sont leurs émotions. Oui, ils se sont tous laissés contrôler par leurs émotions. Une émotion, c'est quoi? C'est une réponse physiologique, physique et psychologique de ton corps face à une réaction. Une émotion, si non contrôlée, peut altérer ta perception du monde, ton raisonnement et t'entraîner dans des accidents sur la route. Et c'est là que j'interviens. L'objectif de mon travail, c'est de pouvoir détecter vos émotions, de les détecter afin de pouvoir les réguler à l'aide de l'intelligence artificielle. Imaginez un petit boîtier intelligent dans votre voiture capable d'appréhender vos émotions. Une émotion,
Ça se manifeste de diverses manières dans la voiture. Au niveau du comportement, j'écrase la pédale de frein, je donne des coups secs du volant, j'insulte les autres conducteurs, pas vous, et aussi au niveau physiologique. Je sue, j'ai le cœur qui bat très très fort, j'ai du mal à respirer. Toutes ces variations de votre corps, je les mesure à l'aide de divers capteurs. Non, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas truffé de capteurs de la tête aux pieds. Une simple montre connectée, une caméra à poser sur votre pare-brise et les données de votre véhicule suffisent à alimenter mon algorithme d'intelligence artificielle. Mais c'est quoi mon algorithme d'intelligence artificielle ? Mon algorithme d'intelligence artificielle, c'est un réseau de neurones artificiels. Un neurone artificiel, c'est juste une simple fonction mathématique capable de comprendre un concept. Un concept, c'est une couleur, un trait, une forme. Plus je combine de neurones, plus je combine de concepts. Et plus je combine des concepts simples, bah j'obtiens des concepts plus complexes. Par exemple, 4 traits, ça fait un carré. Ce neurone, il va apprendre par répétition. Un peu comme un enfant qui apprendrait à distinguer des chats de chiens. Je lui donne l'image d'un chat et il va devoir l'associer avec l'étiquette chat. C'est la même chose pour mes données. Mon algorithme va devoir associer vos émotions avec les données que je lui donne en entrée. Forte colère, 180 BPM, accélération latérale très forte, associée avec l'étiquette colère très intense. Cette étiquette, elle est donnée par les participants de mes études lors de tests de roulage. C'est eux qui les annotent eux-mêmes. Une fois ce modèle entraîné et mis dans votre voiture, il pourra vous suggérer différents services, comme modifier la température de votre cabine, vous proposer un meilleur itinéraire GPS, ou vous empêcher de tamponner la voiture de devant qui vous a fait une queue de poisson. À défaut de révolutionner le monde automobile et ses concepts, je peux au moins essayer de vous offrir un trajet sans prise de tête. Elle s'appelle Marine Achaud. Madame la directrice de l'incubateur Lorrain Natacha aux Arts Costa, si elle avait un petit projet de start-up, on ne serait pas contre. Prenez le micro. Alors bonsoir, oui, des projets de start-up, là j'en vois plein, mais il semblerait que je vois des start-up un peu partout. Mais là je confirme qu'il y en a beaucoup de possibles. Et c'est sûr que cet exercice, on l'a, nous, dans notre monde de start-up, alors ça s'appelle plutôt un pitch élévateur, mais c'est exactement la même logique. Je vulgarise et je convainc rapidement. Et quand je vois nos doctorants faire ce bel exercice, je me dis qu'on a potentiellement, c'est un appel du pied, de grands entrepreneurs et de grands créateurs de start-up. On est basé là-haut, à Brabois, n'hésitez pas. L'incubateur, c'est faire un écosystème adéquat pour que des start-up, des jeunes entreprises grandissent le mieux possible. C'est valoriser nos résultats de recherche excellents en Lorraine au travers de la création d'une start-up. Ce qui permet de fidéliser, de conserver nos étudiants, de créer de l'emploi hautement qualifié sur le territoire et le tout dans un écosystème en effet très favorable. Et dans le monde de l'entreprise, on a beau avoir le savoir-faire le plus optimal, si on n'a pas le faire savoir, ça marche pas ? C'est extrêmement important cet exercice-là de pitch, on le fait grandement. Il faut savoir expliquer simplement des choses qui ne sont pas et savoir convaincre. Madame la directrice de France Bleu Lorraine, France Bleu Sud Lorraine, Nathalie Broutin-Ganet. J'ai gardé le meilleur pour la fin, madame la directrice. C'est ça, je croyais que tu m'avais oublié. Voilà. Donc, Radio Généraliste, c'est le groupe Radio France, c'est 80 000 auditeurs jour sur la Meurthe-et-Moselle et sur les Vosges, le DAB dans la Meuse. On a notre petite sœur à Metz, en Moselle. Qu'est-ce qu'une radio généraliste de service public vient faire ce soir ici ? On vient par curiosité. J'aimais bien Edwige Elmer-Laurent a parlé de curiosité admirative. C'est un petit peu ça en ce qui nous concerne aussi. Merci Edwige. Nous sommes curieux à France Bleu. Nous aimons valoriser les initiatives. On est là pour ça. C'est formidable ce qui se passe avec l'université. Merci pour l'invitation. C'est revigorant pour moi. Je prends un plaisir énorme. Merci à vous les doctorants. Merci de me proposer ce spectacle. Et 120 secondes pour nous en radio, c'est un format long, très long. Avant d'être directrice, j'étais journaliste en radio, et un format radio, 50 secondes dans un journal d'information,
pour expliquer. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les synthèses chez nous sont importantes aussi. Et vous faites un boulot, vous avez fait un boulot formidable. Bravo à vous. Je suis très impressionnée. Et trouver un bon client, c'est le cœur de notre métier. C'est le cœur de notre métier aussi. Et vous savez raconter ça. On a 11 bons clients, ah, ouais. Madame la directrice. Bravo à vous. Ce soir. Donc l'année prochaine, ma thèse en 50 secondes. On va raccourcir le format. Le candidat qui arrive à la position la plus délicate, c'est le dernier. Vous entendez comme il soupire d'aisance, d'aise, tous les autres sont contents. Pff, c'est terminé, mais lui, il a encore les dents qui claquent. Je vous demande d'accueillir Lucas Diremer. Il est biologiste, Lucas, en troisième année de thèse. Il vient de Lunéville. Il travaille à Nancy dans le laboratoire CRAN. On a deux candidats du CRAN ce soir. Le titre de sa thèse, ciblage de modèles cellulaires 3D par des agents de contraste fluorescents dans le proche infrarouge, application à la chirurgie guidée par la fluorescence des cancers de la tête et du cou. Dans 3 minutes, ça ira mieux. C'est quand tu veux. À l'Institut de cancérologie, lorsque je croise un chirurgien qui n'est ni au bloc, ni en train de courir dans les couloirs, je lui pose la question suivante. « Vous pouvez retirer une tumeur de la langue ?»« Bien sûr, » me répond-il. « Mais encore faut-il la voir. » Ce type de tumeur se camoufle dans les moindres recoins et profite de l'obscurité pour passer inaperçu. Grâce à leur expérience, les chirurgiens ont l'œil. Mais il leur est difficile de trouver la frontière avec le tissu sain. Alors, contre l'obscurité, il faut avoir recours à la lumière. Mais pas n'importe laquelle. Une lumière invisible à l'œil nu. La fluorescence proche infrarouge. L'objectif est de rendre les cellules cancéreuses lumineuses, fluorescentes, afin de les localiser. Pour cela, au laboratoire, j'utilise une molécule fluorescente que nos chimistes ont modifiée afin qu'elle reconnaisse, s'accroche et pénètre dans les cellules cancéreuses. De mon côté, je forme des mini-tumeurs en 3 dimensions. Ces tumeurs, d'un demi-millimètre de diamètre, me permettent de mieux comprendre quel serait le comportement de ma molécule si elle faisait face à une vraie tumeur. Pour cela, je mélange cellules cancéreuses et cellules saines, et pour qu'elles n'aient pas de choix que de s'agglutiner les unes aux autres, je rends leur milieu glissant, et la tumeur se forme en moins d'une journée. Mais rassurez-vous, ça ne va pas aussi vite dans notre corps. Ici, je leur donne tout ce dont elles ont besoin pour se développer. Après quelques heures passées en présence de ma molécule, les choses sérieuses commencent. J'enfile ma blouse, je mets mes gants et je récupère les tumeurs. Alors, toujours vivantes, je les congèle, je les découpe en tranches et je les observe au microscope. Je regarde si je peux y trouver de la lumière en profondeur. Maintenant, les tumeurs ayant échappé à la congélation n'ont pas un destin plus enviable. Elles aussi, toujours vivantes, je les dissocie, je les explose et je les réduis à l'état de simples cellules. Après ce mauvais moment, elles passent dans une machine et comme dans un manège, elles font un tour dans un ensemble de tubes. Elles montent, elles descendent, une à une jusqu'à la prise de photo finale. Je peux alors savoir pour chacune des 10 000 cellules qui composent ces tumeurs si elles sont lumineuses ou non. Verdict, les cellules cancéreuses le sont. Les cellules saines ne le sont pas. Ma molécule s'en est donc prise à la bonne cible. Maintenant, d'autres réponses doivent être apportées afin de savoir comment se comporterait-elle dans le corps humain, quelle dose et comment injecter pour marquer les tumeurs. Mais pour l'heure, je peux dire qu'à la façon d'un interrupteur, cette molécule a mis en lumière la présence des cellules cancéreuses. Il ne reste alors plus qu'à appeler les chirurgiens pour les déloger. Tu peux souffler, Lucas. Impressionnant, hein. Faut du souffle aussi, hein. Lucas Diremer, notre dernier candidat, arrive maintenant, mesdames et messieurs, lors du vote. Vous vous rappelez de tous les candidats? Oui. On va juste revoir leurs photos, déjà parce qu'ils sont beaux. Voilà. Nicolas Firlingue, c'était notre serial killer. C'est lui qui a commencé. Cyprien Barthélémy, avec ses médicaments anti-cancer, on a eu Emacor et ses champignons. Marjolaine Jatteau, la péteuse de cailloux.
Je me demandais si c'était endormi, mais pas du tout. Anthony et ses grenouilles. Colline qui travaillait sur la qualité de vie des personnes atteintes de diabète. On a eu ensuite Ludovic. Ludovic qui travaille sur la fermentation des bactéries. Ludovic qui veut faire de la bière, c'est vous dire s'il est sympa Ludovic. Émilien qui nous a donné faim, merci Émilien avec son millefeuille. Notre bretonne Darina. Et ses fromages, ouais. Non mais ça fonctionnera pas, ça n'influencera pas. Hein, Marina qui nous a un peu culpabilisé au volant de notre voiture. Et notre dernier candidat sur la façon dont on peut voir les cancers, c'est Lucas Diremer. Mesdames et messieurs les membres du jury, dans quelques instants, nous allons avoir une surprise, une sacrée surprise, mais pas vous, parce que vous, vous ne serez pas là. Vous allez maintenant sortir de l'amphi. Je vous laisse y aller tout doucement. Enfin, doucement. Vous n'avez pas toute la nuit non plus, hein, donc... Essayez de vous mettre d'accord vite, je sais que l'exercice n'est pas facile, et quand vous reviendrez, nous passerons à la remise des prix. Pour vous toutes et tous, il va falloir voter également, vous avez dû avoir un jeton, est-ce que tout le monde a son jeton? Est-ce que vous n'avez que un jeton? La maman de Nicolas, elle rend les 10 jetons. Voilà. Vous allez donc sortir et je vous dirai comment dans un instant pour qu'on ne se marche pas tous et toutes sur les pieds. Et vous allez passer derrière l'amphi, il y a des urnes avec les photos des candidats. Remettez vos lunettes, ne vous trompez pas. Et vous mettrez vos jetons dans ces urnes. Tiens, on va commencer par ici. Donc ce que vous allez faire, ici, vous allez passer devant moi, remonter l'amphi, passer derrière et redescendre à vos places. C'est compris? On y va. Madame la déléguée régionale CNRS, montrez l'exemple. Madame Edwige Laurent, elle passe devant. Passez devant, madame la déléguée régionale. Je vous en prie. Et vous montrez le chemin. Tout le monde suit, madame la présidente et madame la déléguée régionale. Par ici, madame la présidente, vous vous trompez de côté. On monte. On monte. Tout le monde à la queue leu-leu, derrière le meilleur de la science dans notre région. Vous remontez. On ne dit pas bonjour à tout l'amphi. Je vous laisse voter vite. Ne stagnez pas devant les urnes. Et vous redescendez vous mettre à votre place. La moitié de ce bloc-là va suivre. Vous qui êtes à ma gauche, dès que ça se replace ici, je vous demanderai de faire le même chemin et de venir vous replacer. On commence par le bas, si vous voulez bien. J'en vois qui font deux fois le tour, hein, je vous ai repéré. T'es mis sur on? Vous avez terminé, n'hésitez pas à vous rasseoir pour laisser la place à ceux qui arrivent. Ah.
Caser tous les tout ce qui a déjà été dit par les toutes les recherches, les tu vois. Je pense qu'on va normalement, ouais. Je pense peut-être là potentiellement la deuxième peut être plus longue parce qu'on est dépendant du temps des jurys, donc potentiellement c'est celle-là, la deuxième, qu'on peut essayer de faire durer, parce que y a personne qui vient nous dire que c'est bon. Et après, on va du coup, les thèmes, ça va être un peu... Ouais. Merci. D'accord. Asseyez-vous ce bloc-là si vous le pouvez pour que le deuxième bloc central puisse démarrer. Vous préparez le dernier bloc. On commence par le bas.
Votez, revenez vite à votre place parce qu'on a une surprise pour vous et qu'on aimerait avoir un maximum de temps pour que vous puissiez la savourer. Le vote touche à sa fin. Je vous laisse vous installer rapidement. Derniers jetons sont dans les urnes. J'espère que vous avez tous voté, tous bien voté.
Et les urnes vont partir au comptage maintenant. Alors je vous le disais, il y a une surprise. Dans la salle ce soir, il y avait deux spectateurs mystères. Des spectateurs qui ont tout regardé, tout compris. D'ailleurs, ils ont tellement aimé ça qu'ils étaient déjà là cet après-midi, ils sont revenus ce soir. Ils vont vous livrer le fruit un peu tordu de leur imagination et de ce qu'ils ont compris ce soir. Je vous demande d'applaudir Yann Berrier, Julie Galibert, la compagnie Crash Text. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Vous nous entendez bien? Oui. Super, vous allez bien? Oui. Eh bien, félicitations. Eh bien, nous sommes la compagnie Crash Text et nous, notre spécialité, c'est que nous faisons de l'improvisation théâtrale. Voilà, nous sommes donc comédiens, comédiennes, improvisateurs, improvisatrices. C'est Yann. Salut. Et je suis Julie. Salut. Oui, d'accord. on était là cet après-midi, on a déjà vu une première fois les 11 candidats, candidates, et on s'est dit on va revoir une deuxième fois. Parce que, on n'avait rien compris. Voilà. Pour bien assimiler tout. Sachant qu'on était là l'année dernière aussi. Voilà, et on revient chaque année. Et on ne comprend toujours rien. Il y a des choses qui commencent à venir, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc on va essayer un petit peu de restituer ce qu'on a compris, comprise, quoi. Oui. L'idée, vous avez vu, on est là comme ça pendant le spectacle et on discute. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, et on s'est dit, on va essayer d'improviser une histoire longue. On va essayer de caser absolument, mais tous les sujets des doctorants. D'accord. J'ai le petit. Alors, j'ai pas demandé en régie, pardon. Est-ce que ce serait possible d'avoir la tête des doctorants derrière? Si c'est pas possible, je comprendrai. Waouh! Mais impressionnant. Pareil. Et génial. La régie va me détester parce que au répète, ils m'ont dit vous irez pas dans le public. Hein, on a fait. Non. Alors si, je vais aller juste vite fait, en espérant que ça leur scène pas. Tiens, tu m'as l'air super. T'as la liste, voilà. Et tu. Tiens, je vais te donner un crayon. Hop, tu me le rends à la fin parce qu'en fait, il fout une blinde. Bien, ouais. Hein. Il est hyper agréable à écrire, tu verras. Et tu fais une croix à chaque fois que tu penses qu'on a casé un des sujets de recherche des doctorants. D'accord? Et si tu vois qu'à un moment, le temps presse, il est 23h et qu'il nous en reste 8, d'accord? Et ben, tu lèves la main, tu essaies de nous faire un signe, un truc, tu cries ou un truc comme ça. Ça va? Ça va être super. Voilà, et ça c'est mon petit carnet où j'ai pris plein de notes. Voilà. Non, si, tout est là. Si. Parfait, ça va, ça vous dérange pas? Vous allez rester debout? Vous voulez jouer avec nous des fois? Si vous voulez, de toute façon, on n'a rien prévu. C'est bien parce que tout ce qu'on a dit qu'on ferait, on fait l'inverse. C'est bien. C'est l'impro, c'est comme ça, on sait pas trop, hein. On s'adapte. On fait un petit 3-2-1 impro histoire de voir des choses. Oui, d'accord, Yann. Je me suis un peu énervé, je sais pas pourquoi. Je suis arrivé très zèle. C'est stressant en fait, hein. Voilà. C'est un saut dans le vide, un petit. Vous connaissez ça, vous, ouais, voilà. C'est pareil pour nous. D'accord, donc on va faire 3, 2, 1, impro tous ensemble pour voir qu'on est là. Et après, on finira par un petit check régie. Hein, on a vu qu'il fallait faire. Ah ouais. C'est bon, tous ensemble. 3, 2, 1. Check régie. Je vous ai ramené du fromage. Vous m'avez demandé du fromage. Je vous ai ramené du fromage. Qui ça peut bien être? mais oui, tout à fait. Ah là, mais qu'est-ce que... C'est laborieux, là. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que... Qu'est-ce qui se passe avec ce fromage? Meurs. Oh là. Mon Dieu. Il est dégueulasse. Non, ne dites pas ça. Alors là, si. Goûtez-moi. Je sens la pseudo-menace. Oh, c'est pas une pseudo-menace, c'est une menace complète.
Mais vous savez ce que ça veut dire? Dites-moi. Ça veut dire que ça commence comme ça, avec le palais un peu abîmé. Puis c'est mon palais qui s'abîme. Et tout l'empire s'effondre. Et tout mon empire s'effondre. Je sais à qui il faut faire appel. À qui? À Pussman. À qui? À Pussman, c'est mon interprétation. Pussman? Oui, un architecte. Mais il est là-dedans. Oui. Faut écouter un peu, hein. Un homme capable, avec une forme de carré, de faire circuler des choses. Et il saura nous dire l'attaque qu'il faut avoir contre la menace. Ça me revient, mais faites gaffe. Oui. Parce qu'il est pas cool. C'est vrai que c'est pas cool. Vous croyez qu'il pourra nous sauver? Pardon? Vous croyez qu'il pourra nous sauver? Absolument. Seulement, nous avons un problème. Encore? Oui, que des problèmes. Que des problèmes. Oui. Si nous sortons dehors, un certain lithium est prêt à nous attaquer aussi. Double attaque. Ah oui? Oui, double attaque. Mais vous parlez du serial killer? Absolument. Celui qui séquestre les bactéries. Eh bien, faites attention. Et vous avez une mission. Sauver la patrie. Qui, moi? Ah bah oui. C'est pas moi, moi, je suis le propriétaire. Tout ça à cause du fromage. Oui. C'est quand même un monde. Eh bien, bonne chance. Merci de me foutre dans la pagaille. Hein. Je vais faire tout ce que je peux. Pendant ce temps-là, dans un labo... Maître, hein? Maître, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ah oui, j'ai du lithium, j'ai des bactéries. Tenez, j'ai trouvé une plaque de rouille. Vous allez être performant. Regardez comment elles réagissent. Non, s'il vous plaît, libérez-moi. On est des antibactéries. Non, vous irez dans le noir, sans lumière, sans rien. On est des prolotiques qui aident à la digestion. Quoi? Je sais pas, je crois que j'ai... Ça veut rien dire. J'ai vu ça dans une pub pour du bifidus. Bon, écoute, non, c'est pas le problème. Non, jamais elle ne s'échappera. Bien sûr, vous... Non, le seul jour où elles s'échapperont, oui, ce sera pour se répandre dans le pays. Et fusiller tous les fromages. Je suis un agent spécial. Je viens de défoncer cette porte. J'ai entendu du bruit. Mais alors... vous êtes tout seul? Non, nous je croyais que vous étiez toute une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes là, nous sommes là. Mais comment vous faites pour être si nombreux? Eh bien, voilà, c'est comme ça. Ah bon? Ne me demandez pas. Le processus m'avait paru plus complexe. Non, c'est... Finalement, tout est simple. Hein. Et on va pas tout expliquer à chaque fois. Hein. Ça prendrait des plombes. Et moi, j'ai que 180 secondes. Alors, bon. Vous allez libérer ces bactéries. Vous êtes sûr? Je sais pas ce que je fais. Là, vraiment, je suis en roue libre. Hein. Je vais le faire. Je vais libérer les bactéries. Positif ou pas positif? Ça. Hein? Rappelle-toi de ce que t'as entendu. Tu alors... crois que c'est un pistolet normal? Non, hop. C'est un pistolet qui va détecter. Mais... Non. Il s'est échappé. C'est que ça devait être un dihydrogène. Ce n'était pas des bactéries, c'était des métaux critiques. Grâce à mon pistolet, j'ai pu voir qu'il y avait du calcifite et d'autres choses. Hé, hey, dites, vous savez enlever une tumeur sur une langue? 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 Ouais, non, il passe tous les jours dans les couloirs. On n'en peut plus. Mais là, ça m'a débordé d'un coup. Ah mais oui. Mais s'il revient, dites-lui oui. Oui, vous avez enlevé une tumeur dans le monde. Vous avez une tumeur. Oui, ben. Allumez une halogène et ça fera l'affaire. Bon, on en est à combien, là? Et pas mal, non? Tu suis un peu? Tu suis On est à 9.
On en est à 7. On est à 7. Ok. 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 Ouais, un. je sais. Ah ah, bon, on en était là. Ah, j'étais en train de répandre du dioxygène métal lourd. Je regarde votre tête depuis tout à l'heure. Oui. Vous êtes tout fade. Je suis tout quoi? Fade. Comment ça, fade? C'est pas un terme, c'est vraiment un terme qu'on dit tous les jours, fade. Quelqu'un qui est fade, hein? Ah, ouais. Oui? N'auriez-vous pas du diabète? Comment? N'auriez-vous pas du diabète? Ah, je... Ah non, si vous avez du... Reculez si vous avez du diabète, hein? Mais non, mais c'est pas... Non. Non, mais vous avez vraiment je rien peux suivi. Vous aider, je peux vous aider, hein? Je comprends, la charge mentale. Non, non. Non, non, mais de toute façon, je le vis super bien. Ouais, je sais. Non, mais on va vous aider. Toutes les semaines, je regarde des vidéos, regarde, tic. Ce n'est pas grave. Vous avez le diabète, mais ce n'est pas grave. Et du coup, grâce à ça, ben, je vais vachement mieux. Alors, pourquoi vous êtes aussi méchant? Hein? Oui. Moi, méchant? Absolument. Mais non. Mais vous n'avez rien compris. Visiblement. En fait... Ce qu'on pense être de mauvaises bactéries ou... En fait, regardez-les. C'est des papillons. Non, attendez. Non, pas du tout. Mais non. Regardez, elles arrivent dans les fermes. C'est méthane. Elles font une teuf, visiblement. Non, 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 c'est... C'est du méthane. Ah, j'ai compris, du métal. Alors... Non, non, c'est... Voilà, regardez, ça produit de l'énergie. Oui, ça prolifère, oh là là. Et regardez, du coup, on peut faire beaucoup plus de fromage dans l'usine d'à côté. Génial, ah ouais, on adore le fromage chez nous. Et là, vous me direz, entre l'odeur du fromage et l'odeur du méthane, ça commence un peu à puer en France. Kiff, kiff, kiff. Mais bon, c'est pas grave. Et regardez, regardez ces personnes-là qui prennent leur petit fromage pour partir en vacances. Non, mais qu'est-ce que c'est ça, hein? Je te dis qu'on va prendre la 36, de toute façon, hein? C'est toujours comme ça, hein, quand on part en vacances, hein? Tu veux prendre la 8, alors que moi je veux prendre la 36. Oh, attendez. Qu'est-ce qui se passe dans votre bagnole? Ah, je sais pas. Oh là. Mais retournez dans votre bagnole. Retournez dans votre bagnole. Oh. Voilà. Restez dans votre bagnole pour toute votre vie, ça vous fait un bien fou. Ça ne me dérange pas. Voilà, conduisez et allez au bout du monde. Voilà, allez. Ça, vous voyez, ça, tout c'est... ça, oui. Dans notre labo, on crée du bonheur. On doit être au moins à 10 là, non, maintenant. 9? Toujours 9, non. Non. Attendez. Hein? 9? Ok, très bien. Ah! Ah, non! Bon! Non, en fait, tout ça, c'était du mensonge! Je suis un grand méchant! Tiens, je te jette des cailloux! Tchouf, tchouf, tchouf! Je les ai neutralisés tout à l'heure! Elle était comptée, celle-là, ou pas? Hein? Bien sûr, attention! Attention, de la lave qui coule du volcan qui vient de partir en éruption! Allez savoir pourquoi! Allez savoir pourquoi, c'est la fin du monde, c'est comme ça! Bien sûr! Ah, 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 ne vous inquiétez vite, pas. Une crème brûlée. Là, on est à 10 là. On est à 10. Oui, bien ah, sûr. Ah oui, bien sûr, les grenouilles. Mais oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Comment tu vas? Nous allons régler tout ça. Je brûle. Vous brûlez, vous brûlez. Oui, et la terre brûle. Et ça émet du CO2. Voilà, mais vous inquiétez pas, un grand organisme qui regroupe pas mal de grenouilles, communément appelé le gouvernement, voilà, vont nous sortir de là. On veut vous sortir de là, mais bon, pour le moment, continuez de cramer, mon vieux. Hein, voilà. Et un jour, on vous tendra la patte, une petite patte de grenouille. J'ai pas compris si j'allais mourir ou pas. Bah nous non plus, on sait pas encore. C'est un point d'interrogation. Ok. Bah merci, on se revoit quand je serai mort. Bien sûr, et la tension est là. Vous voyez, je me disais bien que vous seriez la personne de la situation. Merci. Merci. Oh. Tout là, tous on est tous casés. Ah. Vite, vite, vite,
Attends, arrête, arrête. Arrête, vite, vite, super. Il y a le jury. Est-ce que t'as les diapos en régie? Hein? C'est bon? Oui. Eh ben, super, c'est bien que vous arriviez, parce qu'on était là pour meubler le temps que vous preniez votre temps, tout ça, vous alliez aux toilettes, machin. Mais on voulait quand même vous montrer, du coup, si tu peux balancer, quand tu veux, les diapos et même les 180 secondes. Merci pour le papier et le crayon. Et on va essayer de refaire une thèse, nous aussi. Tu sais, t'es pas obligé de courir comme ça. Hein, tu veux... Tranquille. Si, parce que... Ah, oui. Hop, ah, pardon, ça, hey, le sujet de la thèse. Le lithium, allez, vas-y, tiens, commence. Alors, voilà, ça, c'est donc des excréments, hein, donc voilà. Des excréments de toute ma famille, donc de toutes les générations. Donc, que je vois en termes d'évolution, voilà, on voit le cake, bon, vous voyez, de toute la famille, voilà, et que je laisse, voilà, faire leurs petits zigouigouis entre eux. Ils se parlent, ils échangent, voilà. Tous les jours, je vais devant un bocal pour lui dire « tu es beau, tu es moche », et je fais l'expérience comme ça. Voilà, c'est aussi ça, le lithium. Voilà, et donc le lithium me répond, hein, mais le lithium ne parle pas le français comme nous, il parle le lithionite. Voilà. Donc, basiquement, mon travail à moi, c'est de déchiffrer des A, des C et des T. Et là, il me reste encore 6 mois pour finir ma thèse, et j'ai toujours absolument rien compris à ce que me disait le lithium. Hein? Je galère. Alors, de temps en temps, voilà, je vais à la rivière pour analyser des cailloux, parce que eux, au moins, ils me parlent. Hein? Voilà, il y a un peu plus de lettres, il y a des I, il y a des A, il y a des lettres. Et moi, je mets ça dans le dossier et je donne à la professeure qui me suit. Et on fait une grande bouffe. Voilà. En général, c'est une raclette. On se met tous autour. Et là, on commence à papoter de ci, de ça. Qui veut du fromage? Attends, le fromage qui revient sur le tapis. Alors là, y a-t-il un pilote pour sauver la planète, je dirais. Eh bien, oui, il y a un programme qui, grâce au lithium, fait que nous avons quand même des ordinateurs. Donc, nous sommes sauvés. Alors... Heureusement, forcément, arrive le moment du 4 heures. Et on a quelqu'un dans l'équipe qui est spécialiste pour ça. D'accord? Donc il vient toujours avec sa petite cuillère, son petit sucre. On ne sait pas, il fait sa cuisine. Ça sent un peu bizarre, mais il a l'air très content quand il ressort parce qu'il revient toujours avec des litres de bière. N'est-ce pas? Mais les litres de bière, je ne sais pas pourquoi, il fait de la bière chaude, ce mec-là. Hein? Rappelle-toi, la dernière fois, ça t'a explosé au visage. Oui, hein? Oui, oui. C'est un prototype que vous voyez là. Voilà. On savait plus à quoi ressembler. On était obligé d'appeler l'autre chercheur qui est apparemment une machine. Oui, et après, c'est la fin de la raclette. Il y a des problèmes d'indigestion. Voilà, c'est ça. Ça revient assez souvent. Bon, c'est pas très grave. Mais en même temps, faut rentrer. À un moment donné... Faut rentrer chez soi. Limite, il reste plus que 7 secondes. Si le moteur il tourne, c'est grâce au lithium. Le lithium, c'est quoi? Mais c'est un petit peu la vie. Voilà. Et on mangera du saucisson plus tard. La compagnie Crash Text, mesdames et messieurs. Julie Galibert, Yann Berrier. Ouais, en fait, ça avait l'air super simple. On s'est dit, ouais, il suffit de mettre une diapo et envoyer le chrono. Et en fait, non, quoi. Moi, je trouve qu'on s'en est pas mal sortis. Ouais, ils s'en sont bien. Eh, franchement, hein. Ouais. Merci. Alors, la compagnie Crash Test organise chaque année la semaine de l'impro. La prochaine, ce sera du 20 au 27 avril. Ça se passe au Théâtre Mont-Désert à Nancy. Et la grande soirée de clôture, ce sera le 27 avril à la salle Poirel. Et ils invitent les petits culs. Ils invitent la chose publique. Vous serez là également. C'est une semaine internationale d'improvisation. N'hésitez pas à aller les voir du 20 au 27 avril.
Mesdames, messieurs les jurés, ça a été ? C'était pas trop dur ? Vous avez été rapide ? Je compte, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5... Il n'y a pas eu de mort. Donc apparemment, vous vous êtes mis facilement d'accord. J'ai devant moi les petites enveloppes pour la remise des 5 prix. Et nous allons commencer par le prix des lycéens. Alors, il y a peu de suspense parce que le prix des lycéens a déjà été donné cet après-midi et la personne, le doctorant ou la doctorante qui l'a reçu, le sait. Mais pour vous, nous allons faire comme si. Et j'appelle Jules Ferber, qui est le vice-président étudiant de l'Université de Lorraine. Jules, faut pas que je me trompe, hein. Jules, tu vas aller sur la petite croix là-haut, tu prends l'enveloppe. Est-ce que vous savez faire le tambour ? Stop ! J'adore. Alors, vous pouvez recommencer. Le prix lycéen de la finale régionale de ma thèse en 180 secondes, Lorraine, est attribué à... À Marina Chaud. Merci. Merci. Bon, Marina, on fait comme si on était surprise, comme si on découvrait. C'est incroyable. Voilà. Tu veux remercier qui ? Tous les lycéens, merci d'être... Ils sont couchés, là, à cette heure-ci, normalement. Je tiens à remercier tous nos formateurs, tous les organisateurs de MT 180 pour ce super événement. Et vraiment, un grand merci à vous parce que vous nous avez appris à nous exprimer, à vulgariser nos discours et même, surtout, à nous donner confiance en soi. Merci. Jules, tu es en thèse ? Oui ? Tu es en thèse, Jules ? Ah non, non, pas du tout, je suis en licence. En licence ? Donc alors, encore combien de temps ? Dans 3 ans, on te voit ? Oui, encore un an minimum, et puis après 2 ans pour le master, et puis après on verra. Dans 3 ans, voilà, on prend rendez-vous, ok ? Eh bien, super. En tout cas, c'était super, félicitations, et félicitations à tous les 11, c'était un grand plaisir de pouvoir vous écouter, et puis de découvrir plein de nouveaux trucs, c'était génial. Voilà. Est-ce que tu as tout compris ? Merci. Oui. Merci. Merci à Jules, merci à Marina, notre prix des lycéens. Tu peux garder l'enveloppe, Jules. J'ai demandé à papa Nicolas Beck de venir me rejoindre pour le prix du public, mesdames et messieurs. Votre prix. Le directeur de la vie universitaire de la culture, chargé de mission, science avec et pour la société. Alors, il faut que je te donne une petite enveloppe. La voici. Hop. Je me tourne vers ceux qui ont compté. C'était serré, le prix du public, ou c'était pas serré ? Catherine, c'était serré, le prix du public ? Ouais. Bon, on ne saura pas plus. C'était serré, serré ? Vraiment serré, serré. Bon. Nicolas, vous avez passé une bonne soirée ? Très bien. Je suis ravi d'être revenu sur le campus. Je tenais à le signaler. On avait déjà fait cet événement dans d'autres lieux. Et c'est quand même... Ça a quand même du sens d'être ici, dans un lieu de formation et de recherche, et de faire ce type d'événement. Voilà, je trouve que c'est important de le refaire ici. Alors, le prix du public. Tambour, mesdames et messieurs. De la finale régionale, Lorraine, de ma thèse, en 180 secondes 2024, est attribuée à... Darina Kolkanap. Comme quoi, le fromage... Je me sers. Le master. Ça mène à tout. La Bretagne en force, mesdames et messieurs. Je m'y attendais pas du tout. Du coup, théâtre d'impro. Je remercie tous les organisateurs et les formateurs. C'était vraiment une super expérience. Qui continue, du coup. Ah oui, fin du mois de mars, Paris. C'est ça. Ouais. Et je remercie aussi tout le Libio, parce que, merci d'être là. Et j'avais promis de le dire, Sartec, comme on dit au Libio.
Alors ça va pas du tout en fait, Darina. On va faire une petite séance de coaching. Tu seras donc à Paris à la fin du mois de mars. Darina, d'où viens-tu ? De Bretagne, non, de Brest. Mais non, mais pas du tout. Darina, d'où viens-tu ? Je de Lorraine. Ah, pardon. Darina, quel est ton fromage préféré ? Le Munster. Ah, oh, bah voilà. Fais gaffe, ce sera filmé. Donc on vérifiera. Bravo à Darina, mesdames et messieurs. Ça y est, c'est déjà le bordel. Il me manque déjà des enveloppes. Catherine, oui, est-ce que tu m'as donné toutes les enveloppes ? Oui, elles sont par là. Pour remettre le troisième prix du jury, j'appelle Pierre Degotte, le vice-président du Conseil de la vie universitaire, le CVU, de l'Université de Lorraine. J'étais dans le jury l'année dernière. On est plus tranquille là. T'es président du jury. Ah oui, oui, oui. Non, on n'a pas mis de président. C'est beaucoup plus cool comme ça. On ouais. est, voilà. Il y a moins de stress. Hein. Exactement, ouais. exactement. J'ai trouvé que vous étiez mieux d'ailleurs dans le jury l'année dernière. J'étais par rapport à cette année, je dirais. Ah bah oui. Il y avait plus de qualité, oui, je veux dire, dans votre jury. On ne va pas le dire hein, quand même. Sauf la directrice de France Bleu. Mais bon, à part bien ça, sûr. Alors je vous laisse vous mettre voilà, milieu de la scène. C'est quoi un vice-président de CVU à l'université, M. Degotte, c'est... Oh bah, il s'occupe de beaucoup de choses. Hein. Il s'occupe de la vie étudiante, des conditions de la réussite des étudiants. Donc ça passe par la santé, le sport, la culture, enfin tout ce qui va à côté de la formation. Voilà. Et de temps en temps, ça monte sur scène pour annoncer le troisième prix du jury. Exactement. Voilà. Et on s'occupe également de sciences avec et pour la société, puisque ça fait partie de la culture. Et que l'Université de Lorraine a été labellisée, un des premiers établissements en France à être labellisé SAPS. Et ça, c'est important. Il y a deux ans, et on en est très fiers. Ouais. Alors, notre petit tambour, enfin, si vous voulez faire trompette, biniou, piano, ça marche aussi. Le troisième prix du jury de la finale régionale Lorraine de Mathèse en 180 secondes est attribué à... Le prix est attribué à Nicolas Fierlin. Oh, c'est maman qui va être contente. Voilà, bah très bien. Félicitations. Merci beaucoup pour ce troisième prix. Je ne m'y attendais pas du tout. J'en profite juste pour remercier donc, ma famille qui s'est déplacée donc, pour l'occasion. Viens, maman. Maman, ouais. Viens. Viens par ici, maman. Viens, 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 viens. Viens. Ah, d'accord. Vas-y, continue. Continue. Oui, je remercie aussi tous les membres du laboratoire qui se sont déplacés pour me soutenir. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Merci beaucoup encore. Maman. Parce que quand j'avais ton âge, Nicolas, moi je pensais que toute la réussite nous revenait à nous. Mais aujourd'hui, avec l'âge, je sais que toute la réussite, elle revient à maman. Ah, c'est beau ça. Sans maman, tu serais rien, Nicolas. Ah oui, je sais. D'ailleurs, ouais. L'intelligence passe par les femmes. Hein. Je dis ça pour tous les papas qui sont dans la salle. Mais... Voilà, bravo Nicolas. Non, garde ton diplôme, voilà, super, super. Alors, ça bordel là-dessus. Le deuxième prix du jury sera remis par quelqu'un qui a assisté à toutes les finales régionales, même à la première en 2013. C'est madame la vice-présidente en charge de la politique doctorale de l'Université de Lorraine, madame Clotilde Boulanger. J'ai quand même l'impression, madame la vice-présidente, que d'année en année, on va plus loin dans ce show. Vous voyez, le petit numéro de notre présidente et de notre déléguée régionale, on n'avait jamais vu ça. Oui, oui, ça veut dire que l'année prochaine, la barre est déjà très haute. Il faudra assurer. Voilà, on va encore monter d'un cran. Bon millésime. Un très bon millésime. C'est ce que je disais à mon voisin. Cette année, je les ai trouvés tous exceptionnels. Un vice-président, une vice-présidente en charge de la politique doctorale, ça veut dire quoi dans une université ? Alors le doctorat, on pense aux inscriptions, aux réinscriptions, aux demandes de soutenance, aux autorisations de soutenance. Mais il y a tout l'aspect dont aujourd'hui, c'est la formation doctorale
Une thèse, ça se prépare dans un laboratoire, c'est quand même la majeure partie du temps, mais c'est aussi des formations transverses, savoir se présenter, parler, l'intégrité scientifique et bien d'autres choses. Alors Nicolas Auger l'a rappelé, mais vous n'étiez pas là dans la session lycéenne, et moi j'aimerais le réentendre. Le diplôme de doctorat, c'est le plus haut diplôme français. Ça du, monde, du monde. Oui, oui, effectivement, oui, parce que c'est un diplôme mondial. Sur une classe d'âge, sur les diplômés d'une classe d'âge, ça représente, vous savez combien de pourcents ? Je parle des diplômés, hein, des gens qui ressortent de leur parcours scolaire avec un diplôme. Combien de pourcents ont un doctorat ? Est-ce que vous le savez, ça ? Non ? Combien vous diriez ? Vous avez la réponse ? Ben, je l'ai, oui. Alors, oui. Combien ? 2-3%. Voilà, 2%. Donc ça veut dire que vous êtes la crème de la crème, on vous l'a déjà dit hein, ce matin, mais on est très très fiers de vous. Vous serez d'ici quelques mois docteur, vous pourrez le marquer sur votre boîte aux lettres PhD. Voilà, et l'aventure, elle durera encore un petit peu. Nous allons maintenant remettre le deuxième prix du jury de cette finale roulement de tambour régionale Lorraine 2024. Madame la vice-présidente, le deuxième prix est attribué à... Le deuxième prix est attribué à Darina Kolkanap. Et de deux, Darina. Ben ça tombe bien parce que j'avais oublié de faire un petit coucou à mes parents et maman je me suis est là dit, aussi mince papa aussi et donc un petit coucou à Brest à tous les copains qui n'ont pas pu suivre et qui pourront suivre du mais coup ils sont la suite. Parents ils ont traversé la France pour venir. Non justement non. ils n'ont pas pu suivre donc alors ce sera en replay. Hein, voilà. Ils pourront regarder. Je leur enverrai le replay. Et peut-être sans leur dire l'issue, comme ça, ça leur fera une petite surprise qui sait à la fin. C'est si ça. Vous voulez rajouter quelque chose en breton ? Des maths. Bravo, Darina. Merci. Bravo à toi. Ah oui, le diplôme. Pardon, mais pardon. Alors non, on va le refaire bien, Madame la vice-présidente, Darina, sur le centre. Voilà, voilà, venez toutes les deux parce qu'il va y avoir une petite photo. Il va y avoir une petite photo. Voilà, les Bretons réunis, la photo s'il vous plaît avec Madame la vice-présidente. Des études doctorales de l'Université de Lorraine, voilà. Parce que j'étais toute prise par la remise du premier prix. Et Benoît Grasser, monsieur Grasser, venez me rejoindre, le vice-président adjoint à la politique scientifique de l'Université de Lorraine. Alors, je vous remets tout d'un coup. Bah non, je ne peux pas parce que vous n'avez que deux mains. Donc, le micro, l'enveloppe, ça suffira. Je vous donnerai le diplôme tout à l'heure. Mettez-vous bien au milieu. Monsieur Grasser, comment ça s'est passé, la délibération du jury ? Bah, comme ça a été souligné, on était vraiment très très contents du niveau de tout le ouais. monde. C'était vraiment très impressionnant. Donc voilà, ça c'était vraiment le sentiment global. Et on a assez vite convergé, malgré tout. Ouais. Donc les choses se sont passées très agréablement et très, très consensuellement. Vous aviez tous le même trio de tête à peu de choses près ? On est parti sur un quatuor. Oui. Pour se donner un petit peu plus de chance. Et puis du quatuor, on a été vers le tiercé. Et puis voilà. Bon, quand ça se passe comme ça, c'est bien, parce que parfois, dans le jury, on n'est pas d'accord. Non, c'était très... Voilà, pas, concernant, pas, c'était on est tous revenus, tous en bonne forme et tous entiers, donc c'est très bien. Alors, je rappelle que celle ou celui qui repartira avec le premier prix du jury représentera l'Université de Lorraine à la fin du mois de mars, à la demi-finale parisienne, et qui sait peut-être un petit peu plus loin, à Nice, et on lui souhaite... Bah, on lui souhaite, oui, bien sûr. Ouais. À Abidjan, avec Darina, qui représente l'Université de Bretagne, comme vous l'avez compris. On va te la coacher, Darina, on ne la laissera pas partir, hein, de toute façon. Alors, Monsieur Grasser, l'heure est grave. Le premier prix du jury alors... de ma thèse en 180 secondes, finale régionale Lorraine 2024.
2024 est attribué à... Ludovic Vautier. C'est allumé ? Oui, c'est allumé déjà, c'est bien. Je ne sais pas trop quoi dire, là, je ne m'attendais pas non plus du tout à cette place. Donc ça fait très bizarre. Je vais reprendre un petit peu les termes donc, de mes camarades et remercier là aussi toute l'organisation et toute la régie qui font un travail exceptionnel. Là, on se rend compte des gens qu'il y a derrière. Je remercie à nouveau tous ceux qui ont participé à mes côtés aussi pour la bonne ambiance, la bonne humeur. C'est vraiment un concours sans concurrence malsaine, et ça fait vraiment plaisir. Donc je voulais remercier là aussi les membres du jury, tous ceux aussi qui m'ont accompagné depuis mes 25 ans d'existence, qui sont là en fait, la famille, les amis, franchement, donc mes parents, et sans qui j'ai... Et tous les gens du LRGP, Alain Saya aussi, tous ceux d'Orion, et autres laboratoires, tous ceux avec qui j'ai le plaisir d'évoluer en fait, et... sans qui je serais probablement pas là, je serais resté le petit Ludo timide du lycée. Et voilà, ma réussite, je la dois surtout grâce à vous, surtout grâce au public aussi. Voilà. Voilà, vraiment avec toute notre admiration, nos félicitations et puis... tous nos encouragements pour la suite, évidemment. Merci. Ludovic, reste là. Reste là. Retourne au milieu, reste là. Parce que je voudrais quand même dire deux mots pour toi. Cet après-midi, tu as rencontré les lycéens. Et c'est marrant parce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a demandé un peu à la volée comment vous en étiez tous et toutes arrivés là. Et toi, tu as raconté. Tu as dit que c'était un peu du hasard, que la biologie, c'était pas une passion. Moi aussi. Que tu avais choisi ta thèse. Comment t'es arrivé à faire une thèse, Ludovic ? Ouf. Alors moi j'en étais arrivé à... Enfin la biologie ça m'intéressait, si. Ouais. C'est juste qu'au départ, en fait... Le répéter. Voilà. Mais non, je suis sorti du lycée, j'ai fait la prépa des INP donc à Nancy, sans savoir trop si j'étais plus maths, physique, chimie, biologie. Les notes ont fait que je suis plus parti en chimie, biologie... Et donc, petit à petit, j'ai construit mon parcours en allant à l'ENSAIA, en obtenant le diplôme ingénieur ENSAIA, et en continuant une thèse au LRGP, parce que finalement, l'ENSAIA, c'est un petit peu la deuxième maison. Ça fait toujours du bien d'y aller le matin, le sourire dans le bus. Je dois être un des seuls qui sourit dans le bus. Oui, ça existe. Donc, voilà. La suite, ce sera quoi ? Déjà, ta thèse, c'est l'année prochaine, la soutenance ? En théorie, décembre 2025, si tout va bien. Et ensuite ? Une carrière académique ? J'aimerais bien rester dans l'académique, ouais. C'est vrai que... Et rester aussi dans tout cet aspect de transmission des connaissances, de pédagogie. Voir qu'il y a des gens qui aiment bien m'écouter, je ne sais pas ce qui leur prend, mais bon, visiblement, c'est le cas. C'est peut-être une carrière qui démarre pour toi. Voilà, donc ce sera toujours un plaisir de venir faire le clown tout en parlant de ce que je sais. Applaudissez-le encore une fois, c'est Ludovic Vautier. Elles sont belles, hein, ces banderoles. Ludovic, on compte sur toi à Paris. Hein. On compte sur toi à la fin du mois de mars. Hein. T'es notre champion, Ludovic. Hein. Comme d'habitude, tout mon possible. Et on sera tous derrière toi. On pourra te suivre en visio, en espérant que tu ailles le plus loin possible avec Darina. Tu peux rejoindre la salle. Eh bien, mesdames et messieurs, il me reste à vous remercier, à vous donner rendez-vous les 27, 28 et 29 pour la demi-finale nationale à Paris, le 5 juin pour la finale nationale à Nice, et puis qui sait, peut-être Abidjan à la fin de l'année prochaine. Vous avez été un public formidable, surtout les mamans et surtout les porteurs de banderoles. Rentrez bien et à l'année prochaine pour la 12e édition nancéenne de ma thèse. En 180 secondes.
qu'il a ici à côté. Thank you.